Vraiment la dernière ligne droite de ces rencontres. Donc, et avant de reprendre les échanges avec une nouvelle audition sur le thème de l'Europe dans le monde, je vais vous présenter donc le programme de l'après-midi. Donc, nous allons voir s'afficher les ateliers de l'après-midi. Ces ateliers sont des ateliers qui nous montrent justement les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Et c'est des ateliers qui sont proposés par nos partenaires. Ainsi, Confrontation Europe nous proposera 3 ateliers. Inscrire durablement la politique de santé dans les politiques européennes. Gérer durablement la ressource en eau, une nouvelle priorité européenne à l'ère du changement climatique. Et enfin, construire une défense européenne, concept d'un éternel retour. Un autre atelier sur l'Europe et la mer sera animé par Sabine Route-Bézieux et Catherine Chabot. Le mouvement européen France proposera un atelier sur les enjeux des élections européennes 2024 et bien d'autres ateliers encore que je vous laisse découvrir dans le programme. Enfin, en parallèle de l'audition « L'Europe dans le monde », et dans la volonté de vouloir raccrocher la sphère de la société civile à la sphère politique, un atelier délibératif aura lieu avec un groupe de 30 citoyens sélectionnés par tirage au sort parmi les alumni du CESE ayant déjà pris part à un exercice de participation citoyenne. Ils devront élaborer une liste de 5 questions à poser aux candidats tête de liste pour la présidence de la Commission européenne. Ces 5 questions seront soumises au vote des citoyens, alumni du CESE, et vous seront présentées à l'issue de la conférence débat « La France dans l'Europe, quel avenir, quelle priorité ?» qui aura lieu à 18h30 en hémicycle, en présence de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, et Prisca Thévenot, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Je passe la parole à Alexandra Le Sur, qui est rédactrice en chef du site Toute l'Europe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière audition des parlementaires européens organisée pour les rencontres européennes 10 du CESE, qui se tiennent depuis hier au Palais d'Iéna. Après une séquence dédiée ce matin au développement durable, à la politique régionale, à l'énergie et au climat, nous abordons cet après-midi le thème de l'Europe dans le monde. Au cours de cette dernière mandature, l'Europe est entrée dans un nouveau monde. Le départ du Royaume-Uni, les perspectives d'adhésion pour de nouveaux pays, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'adhésion à l'OTAN de la Suède et la Finlande, pays historiquement neutres, ont posé de sérieux défis à l'Union européenne, notamment en termes de diplomatie et de défense, mais aussi de commerce extérieur. Quel a été le rôle du Parlement européen dans les réponses qui ont été apportées ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec 5 représentants du Parlement européen et candidats qui vont être auditionnés par des membres du Conseil économique et social, des représentants des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les CESER, et par la délégation française du Conseil économique et social européen. Mais auparavant, pour éclairer le débat, le CESE a demandé aux universitaires du GIS Eurolab de produire une analyse de la mandature 2019-2024 du Parlement européen. Donc avant de donner la parole aux députés européens, j'invite Alain Hervé et Laurent Varlouzet, professeurs, à nous présenter ce travail mené par une quinzaine d'experts des politiques publiques européennes. Normalement ça fonctionne, oui, très bien. Merci beaucoup, merci tout d'abord au CESE de son invitation et particulièrement à son président Thierry Baudet. Donc, je suis Alain Hervé, professeur à Sciences Po Rennes et je travaille en particulier sur la politique commerciale européenne et le droit international du commerce. Je reviendrai donc en quelques mots sur la législature qui vient de s'écouler en rappelant ce que vous avez dit, législature qui, dans le contexte commercial, a été marquée par de grands et importants bouleversements. Ces 5 dernières années, notamment, ont connu un prolongement d'un système déjà existant, d'un phénomène déjà existant, c'est celui de la fragilisation de l'ordre commercial international érigé à l'après-guerre et dans les années 1990. L'OMC, notamment, traverse une crise profonde avec une fragilisation, en particulier, de son système de règlement des différends des litiges commerciaux. Ceci s'inscrit dans une logique également de retour du rapport de force
d'un rapport de force beaucoup plus ouvert et frontal dans les relations commerciales internationales. J'en veux pour preuve l'intensification des rivalités sino-américaines. Et par ailleurs, l'Union européenne est confrontée à un système dans lequel la logique transactionnelle tend à prévaloir sur une logique de respect du droit, comme ça a pu être le cas auparavant. Le système commercial international a par ailleurs été bouleversé par une logique sécuritaire et des enjeux de nature géopolitique, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 ou encore plus récemment les attaques houthistes contre les navires de commerce dans le golfe d'Aden confirment cette tendance déjà profonde. Et puis par ailleurs, on doit mentionner la crise sanitaire, la crise liée à la pandémie de Covid-19, qui a eu un impact profond sur les échanges extérieurs de l'Union, impact dont on n'a sans doute pas mesuré encore pleinement les effets. On ne peut pas parler à cet égard de démondialisation, mais pour autant, l'Union européenne s'est rendue compte de la fragilité de certaines de ses chaînes de valeur, du manque d'indépendance dans certains secteurs économiques, je pense particulièrement aux médicaments, ou à d'autres chaînes d'approvisionnement, notamment pour ce qui est des puces ou d'autres éléments. Et en même temps, la démondialisation n'est pas possible. La mise en place des vaccins ARN messagers a montré en fait l'importance de ces chaînes de valeur et l'importance du commerce international pour l'Union pour pouvoir poursuivre une politique industrielle, politique sanitaire. On est dépendant en fait de cette mondialisation et des acteurs externes. Alors, s'agissant de ce que a fait l'Union, je m'arrêterai ici à son activité conventionnelle au regard des traités internationaux et puis aussi à son activité législative en matière de commerce. Pour ce qui est de l'activité conventionnelle, je ne reviendrai pas ici sur l'action de l'UE à l'OMC, puisque l'OMC a finalement assez peu avancé ces 5 dernières années, mais je parlerai surtout des accords commerciaux de libre-échange qui ont été négociés et conclus par l'Union et approuvés pour beaucoup d'entre eux par le Parlement européen. On peut mentionner notamment l'accord UE-Vietnam, qui a été approuvé sans grande difficulté par le Parlement européen en février 2020. On peut également mentionner un accord important, l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni, dont l'objectif a été d'éviter les effets de la désintégration économique liée au Brexit. D'autres accords ont également été négociés. Je pense à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, récemment approuvé par le Parlement, ou encore à l'accord de libre-échange Union européenne-Chili, ainsi que l'accord de libre-échange avec le Kenya. Ceci étant, la question du libre-échange pose question, y compris au Parlement européen. Je rappellerai que l'accord UE-Mercosur, qui a pourtant été finalisé dans sa négociation par la Commission en 2019, n'a pas à ce jour été approuvé par le Parlement européen et il y a eu des débats importants durant toute la législature à propos de ce texte. Et on peut également mentionner un autre accord qui a échoué, c'est l'accord de commerce et d'investissement avec la Chine, qui a été finalisé en 2020 et qui n'a pas été approuvé par le Parlement, notamment à raison des sanctions que la Chine a appliquées à l'égard de certains parlementaires européens. Je pense notamment à Raphaël Glucksmann ici. Par ailleurs, d'autres négociations se sont poursuivies. Je pense à un accord avec l'Australie, il y a des négociations avec l'Inde, et ça sera l'objet de la prochaine législature que de se positionner sur cette question du libre-échange et sur le devenir de ces traités de libre-échange. Et puis, pour compléter le tableau, je mentionnerai les mesures unilatérales adoptées par l'Union européenne, qui sont nombreuses, et c'est intéressant parce que, d'une part, on a un mouvement de libéralisation des échanges au niveau des traités de commerce, et d'autre part, on a ce que j'appelle un néo-unilatéralisme ou une forme de néo-protectionnisme européen qui se manifeste à travers l'adoption d'un certain nombre de législations. Et à cet égard, le bilan du Parlement européen de ces dernières années est très impressionnant. Je mentionnerai ici notamment le règlement sur la réciprocité dans l'accès à la commande publique, le règlement sur les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur, ou encore, plus récemment, le règlement instaurant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union qui a été adopté en mai 2020, entre autres parce qu'il y a d'autres textes discutés, notamment le règlement de déforestation qui a lui aussi été adopté, et un règlement en cours d'adoption, en voie d'adoption peut-être, sur l'interdiction du commerce des biens issus du travail forcé, ainsi que la directive sur le devoir de vigilance qui pourrait peut-être être adoptée avant la fin de la législature. Peuvent encore être mentionnées, pour terminer, un grand nombre de mesures unilatérales de l'Union prises par la Commission
sous forme de mesures d'exécution, mais surveillées par le Parlement européen, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, dans le contexte aussi de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole à mon collègue pour les aspects défense. Merci. Alors, je suis Laurent Varlouzet, je suis professeur d'histoire à Sorbonne Université et je parlerai brièvement, d'abord parce que je remplace Elsa Bernard qui a rédigé la note sur la défense et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, et ensuite parce que dans ce dossier, le Parlement européen a beaucoup moins de pouvoir qu'en matière commerciale, d'où la brièveté de la note. Alors certes, le dossier est particulièrement dramatique, puisqu'on parle de la guerre en Ukraine, du retour de la guerre en Europe, d'un conflit ouvert, agressif, donc sans commune mesure depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui a amené le Parlement européen à se positionner sur un certain nombre de textes. Donc Elsa Bernard en cite principalement deux, un règlement EDIRPA qui facilite l'acquisition de matériel militaire en commun et le règlement ASAP sur la production de matériel militaire. Donc dans sa note, d'un côté, ma collègue Elsa Bernard souligne les limites de ces instruments en termes d'ampleur, quelques centaines de millions d'euros, en termes aussi de pérennité, la plupart arrivent à échéance en 2025, mais d'un autre côté, il faut bien voir que c'est une première incursion de l'Union européenne dans le domaine militaire qui lui était étranger, d'autre part, ce sont aussi des instruments assez innovants sur le plan économique. On a beaucoup parlé au cours de ces débats de la nécessité de dépasser l'Europe du marché, d'avoir une Europe plus dirigiste, plus interventionniste, en tout cas plus volontaire, disons. Et là, effectivement, on a deux instruments qui promeuvent d'une part la préférence européenne et d'autre part, en ce qui concerne le second, un instrument de politique industrielle qui encourage à la production, ce qui est rare au niveau européen. Donc, dans une certaine mesure, des revendications anciennes de la France sont ainsi satisfaites. Mais les limites sont là. Et donc, je voudrais souligner, pour conclure, les trois enjeux principaux qui subsistent. Donc, d'une part, c'est la pérennisation de ces instruments. Et là, dans une certaine mesure, on se retrouve avec la même situation que pour le plan de relance, pour Next Generation EU. Va-t-il être pérennisé, renouvelé, ou va-t-il être simplement une exception? Le deuxième enjeu, ce sont des engagements financiers, du niveau des engagements financiers nationaux et européens. Et le troisième, c'est l'échelle de coopération, préférence européenne ou achat d'armement sur étagère auprès des Américains, auprès des Sud-Coréens aussi. Et là, on se retrouve, permettez-moi pour terminer une petite référence historique, toujours autour du dilemme entre Europe européenne et Europe atlantique que le général de Gaulle avait souligné en 1964. Il avait tenté de lancer ce qu'il appelait une Europe européenne, mais qui avait échoué parce que nos partenaires y voyaient surtout une Europe française. Et donc concilier Europe européenne et Europe atlantique sans céder aux chimères de l'Europe française, ce sera, je pense, le défi auquel les futurs parlementaires européens seront confrontés. Merci. Merci beaucoup. Alors je rappelle que votre étude, vous avez un exemplaire chacun ici dans l'hémicycle, et votre étude est aussi disponible en ligne. J'appelle maintenant, dans un ordre déterminé par un tirage au sort, nos députés européens et candidats aux élections européennes à prendre place sur scène. Nathalie Loiseau pour le groupe Renew Europe, Philippe Olivier pour le groupe Identité et Démocratie, Chloé Ridel, candidate pour le groupe des Socialistes et Démocrates, Kevin Versin, candidat pour la gauche européenne, et Abdoulaye Diarra pour le groupe des Verts. Voilà, je vous laisse prendre place, vous installer, comme vous voulez. Voilà, Renew au milieu. Allez-y, installez-vous. Alors, avant de passer aux questions de la société civile, vous avez chacun la parole pendant 5 minutes. Donc, vous avez un écran devant vous pour respecter ce timing et donc pour nous dresser un bilan successivement sur la mandature qui vient de s'écouler. Donc on commence avec vous, Nathalie Loiseau. Bonjour à toutes et à tous et merci au CESE d'organiser ces journées de débat sur l'Europe et pour faire en sorte qu'on parle enfin d'Europe dans cette campagne. Je dirais de ma fenêtre ou de la façon dont j'ai exercé mon mandat depuis 5 ans au Parlement européen,
Ma priorité, c'était d'aider l'Europe à se défendre face à des menaces en hausse sur notre sécurité. La conviction qui était la mienne, c'était que l'Europe avait besoin de se renforcer pour que la France puisse se renforcer. La France a une culture militaire stratégique unique en Europe, qui repose à la fois sur son modèle d'armée complet et sur la dissuasion nucléaire. Elle a en outre une place particulière dans l'ordre mondial en étant membre permanent du Conseil de sécurité. Ces atouts, nous voulons les conserver, nous voulons les valoriser, nous ne voulons en aucun cas les brader ou les partager. Pour autant, l'état du monde impose de renforcer nos alliances et nos coopérations. L'OTAN, il ne faut pas avoir l'OTAN honteuse, mais il faut avoir l'OTAN lucide. La France est pleinement engagée au sein de l'Alliance Atlantique. Ça n'empêche pas d'être exigeant et d'être vigilant quand on voit la difficulté à rassembler un consensus dans l'OTAN, que ce soit de la part de la Turquie régulièrement ou que ce soit les incertitudes liées aux élections américaines. À partir de là, l'Union européenne a besoin d'aller vers une Union européenne de la défense. Alors c'est une révolution culturelle pour l'Europe. L'Union européenne est un projet de paix et veut rester un projet de paix, mais pour cela, elle doit accompagner son soft power, auquel elle s'est habituée, d'un hard power. J'ai donc essayé de consacrer mon mandat à faire décoller la défense européenne, d'abord en aidant à faire prendre conscience des menaces. Nous avions demandé, dès notre arrivée au Parlement européen, une forme de livre blanc de la défense européenne, et cela a abouti à la boussole stratégique. Ça nous a permis, nous, Français, de mieux partager notre connaissance sur la menace terroriste, islamiste, et ça nous a permis de mieux comprendre ce que d'autres avaient à nous dire sur la menace russe. Les uns et les autres, nous avions raison. Et puis nous avons voulu nous accorder sur les réponses et sur faire avancer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Comment renforcer la défense européenne? Cela a commencé par renforcer nos capacités industrielles de défense, éviter cette fragmentation qui fait que nous dépensons au total des sommes importantes. 280 milliards d'euros sont consacrés l'année dernière dans l'Union européenne à la défense, mais avec des industries très fragmentées, avec des modèles d'équipements militaires très divers. Pour cela, nous avons adopté le Fonds européen de défense, je ne crois pas qu'il ait été mentionné tout à l'heure, qui est un premier moyen de faire travailler ensemble des entreprises européennes sur de la recherche et sur du développement de matériel militaire. Et puis évidemment, la guerre d'agression russe en Ukraine est venue percuter ces premiers efforts et les accélérer. Il y avait besoin d'une réponse européenne forte s'agissant de la Russie, avec des sanctions qui sont adoptées à chaque fois à l'unanimité, mais aussi avec une aide à l'Ukraine, une aide humanitaire, avec l'accueil de réfugiés ukrainiens en grand nombre en Europe, une aide financière pour que l'Ukraine tienne debout, mais une aide militaire. Et ça, c'était la première fois que l'Union européenne s'engageait à apporter une aide militaire à un pays agressé par la Facilité européenne pour la paix. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 6 milliards dépensés en européen et bientôt 11 milliards, puisque 5 milliards supplémentaires ont été votés. Dans la présentation, on a parlé de ce qui a été fait pour être capable de faire des achats en commun et de produire sur notre sol des munitions, des missiles pour les livrer à l'Ukraine et pour notre défense propre. Alors ça a été très bien dit, ces achats se sont faits dans l'urgence parce qu'il s'agissait d'aider l'Ukraine et ils se sont faits sur étagère et très largement 80% en dehors de l'Union européenne. C'était nécessaire, mais ça n'est pas satisfaisant. C'est pour cela que la Commission européenne a présenté il y a quelques jours un programme et une stratégie d'investissement de défense européen pour être capable de répondre en européen avec des équipements militaires européens financés par le contribuable européen. Il n'y avait pas que l'Ukraine. Je voulais dire un mot, je ne suis pas loin d'avoir dépassé mon temps, c'est ça ? C'est ça. De la défense d'autres démocraties attaquées. Je suis particulièrement attachée à la question de l'Arménie, où je me suis rendue aussi souvent qu'en Ukraine.
cette démocratie qui est attaquée pour ce qu'elle est, parce qu'elle ne veut plus regarder vers la Russie, mais vers nous, parce qu'elle veut être une démocratie qui fait des réformes. Nous avons réussi à envoyer une mission civile. Je suis fière que la France soit allée plus loin et envoyé des instructeurs et des formateurs et des conseillers militaires et du matériel militaire. Parce que quand une démocratie est attaquée, nous-mêmes sommes attaqués, comme nous le sommes tous les jours, par les ingérences. Mais j'y reviendrai peut-être dans des questions. Merci. Merci. C'est au tour de Philippe Olivier pour le groupe Identité et Démocratie. 5 minutes également. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Puisqu'on parle de la dimension internationale de l'Union européenne, je voudrais faire un petit rappel. À l'origine, l'Union européenne, c'est une organisation internationale, entre nations. Et puis, progressivement, l'Union européenne s'est vécue comme un État. Un État qui s'est doté d'un certain nombre d'attributs d'État. Alors, un hymne, un drapeau, une devise, un parlement, des institutions, des tribunaux, une monnaie, une libre circulation intérieure, etc. etc. Il y a, et avec ça, évidemment, l'idée d'un approfondissement, c'est-à-dire d'un accaparement permanent des compétences qui relevaient des États et des États membres, avec une soif sans limite de pouvoir. Progressivement, nous avons assisté à une sorte de dérive de l'Union européenne qui se vit aujourd'hui comme un État supranational. Alors on dit souvent l'Union européenne va vers le fédéralisme. En réalité, non. L'Union européenne a dépassé ce stade et les États européens finissent par avoir moins de pouvoir que les États américains et on va vers un État unitaire centralisé, ce qui est quand même important. Pour autant, l'Union européenne n'est pas reconnue sur la scène internationale comme un État. Et on l'a vu d'ailleurs avec le voyage de Mme von der Leyen qui a tourné un peu au naufrage, hein, la concernant, en Chine. On l'a vu aussi avec ses incursions sur le dossier israélien, ça a été assez calamiteux. Ce qu'il faut bien dire, c'est que si l'Union européenne s'est dotée de pratiquement toutes les compétences, il y a deux compétences qu'elle voudrait avoir pour être un État sur la scène internationale, c'est la défense et la diplomatie. La défense, il faut bien vous dire que si elle devait s'accaparer la compétence en matière de défense, elle prendrait l'arme nucléaire française. Et si elle prend la diplomatie, elle prendra le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, Emmanuel Macron a déjà donné des signes. Bien sûr, nous combattrons cela parce que nous pensons que ces attributs qui sont issus de la guerre et de l'héritage du général de Gaulle ne sont évidemment pas négociables. Alors, l'Union européenne se pique de vouloir faire de la diplomatie. Et donc, elle essaye d'ailleurs de supplanter les États comme si elle en avait la légitimité, alors qu'elle n'a pas de légitimité historique et pas de légitimité politique, à mon sens. Et surtout, elle n'en a pas l'expertise. La diplomatie, c'est un art. Un art que maîtrise parfaitement le Quai d'Orsay, la diplomatie française. Et pourtant, Les représentations françaises à l'étranger sont écrasées par les représentations de l'Union européenne. Et ce qui me frappe, c'est que quand je vais à l'étranger et que je rencontre des ambassadeurs de France, ils me disent on n'a pas de très bon rapport avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Et de fait, c'est partout pareil, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'être mis de côté. Et d'ailleurs, c'est le sens du démantèlement par Macron de la diplomatie française. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Union européenne veut faire de la diplomatie, en fait, elle fait de la morale, avec une vision un peu néocoloniale. Je vais vous citer quelques exemples. Alors, d'abord, on a des débats absolument surréalistes. On va débattre pendant une après-midi du droit des LGBT en Ouganda. Et on va émettre un jugement contre un gouvernement ou contre un pays. On va au Paraguay, et au Paraguay, on propose de donner des subventions au Paraguay, mais sous condition d'intégrer la théorie du genre dans leur manuel scolaire. On va au Zimbabwe voir les élections, et la première question qu'on demande, c'est est-ce que le bureau de vote est dirigé par une femme ? Évidemment, tout cela ne fait pas bon genre et finit par mettre l'Union européenne
dans une situation d'être accusé de faire du néocolonialisme. Et donc je pense que c'est une très mauvaise direction. Cela dit, quand on essaye de regarder un petit peu l'Union européenne, je vous ai parlé d'un État unitaire centralisé, je pense que l'Union européenne se vit comme un empire qui écrase les nations. Elle en a toutes les caractéristiques. L'autorité centrale, l'idée qu'on administre des populations, l'extension permanente, alors c'est par l'adhésion ou par les traités de libre-échange, c'est aussi l'illusion d'une promesse d'éternité, pardon, et l'idée qu'on est l'aboutissement de l'histoire. Je pense que l'Union européenne se fracassera contre les réalités. Merci. C'est au tour de Chloé Ridel, candidate pour le groupe des socialistes et démocrates. C'est à vous pour 5 minutes également. Merci beaucoup. Pas simple de prendre la parole après ce qu'on vient d'entendre, mais je vais quand même essayer. Merci au CESE d'organiser ce débat et merci à toutes et tous d'être présents pour l'écouter. Je crois que c'est très important. Ce débat s'appelle « L'Europe dans le monde » et pour résumer la vision qui est la nôtre, je dirais que nous voulons une Europe puissante dans le monde. Raphaël Glucksmann dit souvent que l'Europe doit devenir adulte, c'est-à-dire capable d'assurer sa propre sécurité, de protéger les intérêts qui sont les siens et aussi d'utiliser le poids potentiel qui est le sien pour peser dans le monde en faveur des droits humains et du progrès écologique. Parce que quand nous nous disons que l'Europe doit devenir une puissance politique, une puissance écologique, évidemment, il faut d'abord définir ce que nous entendons par puissance. Nous ne concevons pas l'Europe comme une puissance qui écraserait ou qui dominerait, mais au contraire comme une puissance, au sens de Hannah Arendt, pour faire un peu de philosophie, la puissance comme la capacité à faire agir les États, les nations, les êtres humains, les peuples, ensemble. Une puissance de l'agir ensemble. Et une puissance de médiation, de paix et de progrès. Parce que nous constatons que l'impuissance actuelle de l'Europe est un facteur d'instabilité géopolitique. Et nous constatons aussi qu'il serait bon que l'Europe puisse être puissante pour protéger ses frontières, pour protéger ses intérêts et pour protéger son mode de vie. Donc pour esquisser un peu le bilan qui a été celui de la délégation française au sein du groupe social-démocrate du Parlement européen ces dernières années pour essayer d'accomplir et de faire avancer ce programme d'une Europe puissance politique et puissance écologique. Il y a d'abord la question du soutien à l'Ukraine depuis l'invasion totale du 24 février 2022, mais nous savons bien que la guerre en Ukraine dure depuis 10 ans maintenant. Notre soutien à l'Ukraine a été constant, infaillible. Je pense que Raphaël Glucksmann en est une incarnation. Nous avons toujours dit qu'il fallait soutenir la résistance ukrainienne et qu'il fallait surtout poser un diagnostic juste sur la menace que représentait le régime de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine non seulement s'en prend à l'Ukraine, ni son droit à l'autodétermination, ni même son existence en tant que nation, mais il ne s'en prend pas qu'à l'Ukraine. Vladimir Poutine mène en réalité une guerre contre l'Europe et contre l'attractivité que l'Europe exerce sur des pays comme l'Ukraine, comme la Moldavie ou comme la Biélorussie, que Vladimir Poutine considère en bon impérialiste comme étant sa propriété au sein de ce qu'il appelle le monde russe. Donc notre intérêt est de soutenir l'Ukraine et nous le faisons en vertu du droit international, puisque ce pays est attaqué et envahi de la façon la plus illégale qui soit par un criminel de guerre qui est Vladimir Poutine et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc nous avons soutenu l'envoi d'armes à l'Ukraine, mais aussi nous avons soutenu la saisie, par exemple, des avoirs russes qui se trouvent sur le sol européen pour financer l'effort de guerre en Ukraine. Nous avons aussi, notamment vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment à Gaza, la guerre au Proche-Orient et des actions de l'armée israélienne qui aujourd'hui font peser le risque d'un génocide sur la population palestinienne de Gaza en vertu des termes de la Cour internationale de justice. Nous avons voulu montrer au reste du monde que si nous soutenons l'Ukraine, nous étions aussi en soutien du peuple palestinien dans le cadre de cette guerre. Et nous avons concrètement porté des mesures au Parlement européen pour sanctionner, par exemple, les colons de Cisjordanie et plus récemment pour porter la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne en vertu de la clause droit humain qui figure dans cet accord. Nous avons aussi voulu, toujours dans l'objectif de faire que l'Europe soit une puissance au service des droits humains partout dans le monde, porter la reconnaissance
du génocide chinois envers le peuple ouïghour. Nous avons proposé des résolutions en ce sens au Parlement européen. Nous avons aussi porté la directive sur le devoir de vigilance des multinationales pour faire en sorte que l'Union européenne utilise la taille de son marché, qu'elle en fasse levier pour essayer d'imposer des normes et faire en sorte que partout dans le monde, nos multinationales et tout au long de leur chaîne de valeur s'assurent du respect des droits humains et du respect de l'environnement. Et s'agissant du commerce aussi, nous avons porté tout au long de ce mandat la mise en place de clauses miroirs pour faire en sorte simplement que les produits que nous importons dans notre marché respectent les mêmes règles que celles que nous imposons à nos propres producteurs. Nous avons refusé les accords de libre-échange qui ne respectaient pas cet équilibre et qui ne mettaient pas en œuvre de telles clauses miroirs. Malheureusement, ces accords sont légion, le Mercosur, l'accord Chili, vous les avez cités dans votre introduction. Et puis nous avons évidemment refusé l'accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine. Je crois que ça a été mentionné aussi dans votre introduction. Raphaël Glucksmann est aujourd'hui le seul député européen à faire l'objet de sanctions à titre personnel, le seul député européen français de la part du régime chinois. Et donc là aussi, c'est une incarnation de ce que doit faire l'Europe pour protéger les droits humains à travers le monde que de refuser cet accord d'investissement qui était par ailleurs largement déséquilibré et contre nos intérêts économiques. Merci, merci. Ce sera l'introduction. Merci Chloé Ridel. Kevin Versin, c'est à vous, donc candidat pour la gauche européenne. Merci, merci beaucoup au CESE d'avoir organisé ces auditions et ce temps d'échange qui, je pense, est très utile pour confronter les différentes visions qui vont s'affronter sur le rôle de l'Union européenne au cours des 5 prochaines années. Donc sur la thématique de l'Europe et le monde, je pense qu'en préalable, il faut faire une juste distinction des rôles, justement, entre ce que l'Union européenne peut faire et doit faire et ce qui doit relever encore de l'action des États membres. L'Union européenne n'a pas vocation à se substituer à l'action diplomatique des États membres. Elle doit agir dans d'autres domaines. Sur l'action diplomatique, je dis ça parce qu'on ne peut pas, au motif de vouloir renforcer l'Union européenne, affaiblir les réseaux diplomatiques des États membres. La France s'est longtemps targuée d'avoir un réseau diplomatique parmi les plus importants au monde et qui a été considérablement affaibli au cours des dernières années. Ensuite, une fois qu'on a dit cela, sur ce que peut faire l'Union européenne au niveau mondial. L'Union européenne devrait être une voie en faveur du droit international et de la paix. Du droit international, ça suppose une mise en cohérence du discours de l'Union européenne. Je prends quelques exemples. Sur l'Ukraine, nous avons évidemment agi en soutien au peuple ukrainien et pour condamner l'agression qui a été commise par la Fédération de Russie. Mais dans le même temps, et du coup je rebondis sur ça, sur un exemple qui a été donné par Madame Loiseau concernant l'Arménie. Évidemment, nous nous retrouvons dans le soutien à l'Arménie. Mais est-ce que l'Union européenne met en cohérence ses actes quand elle maintient un accord gazier avec l'Azerbaïdjan qui sert à financer ses agressions? De même que lorsque l'on déplore l'agression qu'a subie l'Arménie, que dit l'Union européenne sur le fait que l'un des principaux États qui a armé l'Azerbaïdjan est l'État d'Israël? Là aussi, il y a une mise en cohérence du discours qui doit avoir lieu. Ce qui me permet du coup, maintenant que j'ai mentionné l'État d'Israël, de parler du conflit qui est en cours à Gaza et aux multiples crimes de guerre qui sont commis par les forces armées israéliennes et dont la somme s'apparente à un risque de génocide qui a été constaté par la Cour internationale de justice. Là aussi, l'Union européenne est apparue comme présentant un double standard dans son discours, ce qui a fortement décrédibilisé notre parole au niveau international. C'est pourquoi il faut du coup que nous procédions de la même manière que nous avons pu procéder dans d'autres cas. C'est-à-dire qu'il faut évidemment suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël, tout aussi longtemps que l'État d'Israël continuera à être en violation du droit international. Il faut adopter des sanctions contre les personnes et les entités qui sont coupables de violations du droit international. Et il faut décréter un embargo sur les armes destinées à l'État d'Israël, puisqu'on ne saurait tolérer que des armes françaises et armes européennes contribuent à ce qui s'apparente à un génocide, là encore, selon le constat de la Cour internationale de justice. Ensuite, l'Union européenne doit être une voie en faveur du droit international. Nous n'avons pas besoin de moins de droit international, nous avons besoin de davantage du droit international, notamment pour faire face aux grands enjeux du XXIe siècle. Davantage de régulation internationale en matière de protection du climat, de protection de la biodiversité, de protection des grands espaces communs, que ce soit l'espace ou les fonds marins. Sur tout cela, il y a un rôle que l'Union européenne peut jouer avec ses États membres, qui est de davantage de codification internationale.
L'Union européenne peut aussi être un peu éclaireuse en matière de protection, notamment des droits humains. Ça a été mentionné plus tôt, l'adoption de la directive sur le devoir de vigilance est essentielle et doit être vue comme un préalable sur le traité qui est en cours d'élaboration depuis des années au niveau des Nations Unies sur la responsabilité des multinationales. Enfin, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur les questions des politiques commerciales de l'Union européenne. Sur les accords de libre-échange, dont il faut décréter un moratoire, puisque ceux-ci ne sont pas compatibles avec le respect de l'accord de Paris au vu des multiples pollutions qu'ils engendrent. De même qu'il faut se poser la question des accords de prédation que l'Union européenne a envers certains États. Pour rebondir à un propos qui a été dit plus tôt, le néocolonialisme de l'Union européenne, ce n'est pas le fait qu'elle défende les droits humains, c'est le fait, par exemple, qu'elle a des accords de pêche qui viennent piller les ressources halieutiques, par exemple, du Sénégal. Un accord de pêche qui sera sans doute remis en cause au vu de la récente élection présidentielle au Sénégal. Donc voilà, ce que doit faire l'Union européenne, c'est être une voie pour la paix, de manière cohérente sur tous les continents, une voie en faveur de davantage de codification du droit international et davantage de coopération entre les peuples et non plus des accords de prédation. Merci, Kevin Versin. C'est au tour de Abdoulaye Diarra, candidat pour le groupe des Verts. Merci. Alors, merci pour l'invitation et surtout que pour nous, les élections européennes en tant qu'écologistes, c'est quelque chose qui est fondamental, même si très souvent, malheureusement, on en parle assez peu de l'impact de l'Europe et notamment dans notre vision mondiale. Et quand on parle de la question de l'Europe et du monde, en fait, effectivement, on a un tropisme européen qui consiste à principalement penser la question de la guerre, penser la question des conflits, comment finalement allons-nous seulement prioriser les problématiques entre guillemets européenne, franco-française, comment allons-nous pouvoir rayonner à travers le monde? Et en fait, la question de l'Europe et du monde, elle est plus large que ça, et notamment, je vous prends un exemple qui peut vous sembler anecdotique, mais on l'a vu avec la question de Tchernobyl, en fait, la crise climatique, un peu comme le nuage de Tchernobyl, ça dépasse nos frontières. En fait, aujourd'hui, quand on réfléchit les enjeux de la société, le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de pouvoir garantir aux enfants qui naissent aujourd'hui que à leur âge de 30 ans, ils seront encore dans une planète habitable, la question de l'urgence climatique, l'urgence sociale, elle ne peut pas être réfléchie juste avec un prisme franco-français, et elle doit être réfléchie à la fois à l'aune de l'Europe et à la fois à l'aune de tout ce qui nous entoure, une vision purement internationaliste. En tant qu'écologiste, évidemment, nous, on a une vision fédérale, pour le coup. On est convaincu que l'Union européenne, elle a du sens et elle peut répondre aux attentes de l'ensemble de la population, et notamment... Là, on le voit, on a une montée du populisme à travers l'Europe, un repli identitaire, tout simplement lié au fait qu'on a une Union européenne qui n'a pas été au rendez-vous sur les problématiques essentielles dans la vie des gens. Face à l'urgence climatique, on a pu en parler, notamment tout à l'heure, alors je crois que c'était toi, Chloé, qui parlais de la question des accords de libre-échange. Effectivement, quand on impose des normes en tant que telle environnementale, parce qu'on a conscience du besoin de pouvoir permettre à des agriculteurs de pouvoir vivre dans de bonnes conditions, de repenser la question de l'agriculture, mais qu'en même temps, on accepte des accords qui viennent tout simplement revenir sur ces engagements, effectivement, l'Europe, elle n'est pas au rendez-vous, et c'est quelque chose qui est fondamentalement problématique et qui explique la détresse actuelle. Quand effectivement, l'Europe, elle accepte tout simplement un jeu géopolitique où finalement elle a un regard différent en fonction d'il s'agit de la Russie ou si effectivement il s'agit d'une population qui, par exemple dans le cas des Ouïghours, subit une situation particulièrement difficile, effectivement, encore une fois, l'Union européenne n'est pas au rendez-vous. Et l'un des enjeux qui est central et qui a été au cœur de notre engagement, ça a été tout simplement de, entre guillemets, de faire ce qu'on dit et tout simplement de défendre la question des droits humains et la question tout simplement de notre vision internationaliste et de faire en sorte que la transition climatique, elle se fasse en lien avec les enjeux sociaux. Parce qu'effectivement, quand on sait qu'1% de la population mondiale émet plus de gaz à effet de serre que 50% de la population restante, la question tout simplement comment aujourd'hui l'Union européenne elle utilise le fait d'être une arme économique, d'être l'une des places fortes, comme a pu être évoqué tout à l'heure en termes d'introduction, pour pouvoir effectivement changer les normes et tout simplement permettre l'amélioration. Et c'est là où, pour le coup, on a eu un enjeu très important parce que on a gagné un certain nombre de batailles, le pacte climat, on a réussi à s'engager sur la question de la restauration de la nature, on a réussi à obtenir des avancées. Par contre, systématiquement, ce qu'on voit, c'est que finalement, au-delà des objectifs à long terme,
Ben, en fait, c'est l'entre-deux qui ne change pas. Derrière, on continue à avoir des multinationales qui, pour le coup, on peut prendre l'exemple de Total, qui fête ses 100 ans, où notamment on a eu l'occasion de faire une action avec les écologistes ce matin devant. Ben, ce qu'on voit, c'est qu'on a une multinationale qui dit qu'au niveau européen, finalement, son impact climatique serait négligeable, mais qui, en réalité, quand on regarde son activité économique dans le reste du monde, pose de profondes difficultés, de profonds sujets, à la fois en termes environnementaux, en termes sociaux, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe en Ouganda avec le projet de pipeline ICOP. Bah, effectivement, on a besoin que cette Union européenne, elle se mette en adéquation avec ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle fasse effectivement de la transition écologique et sociale une réalité. Et le dernier enjeu que je pense fondamental d'évoquer, comme je le disais tout à l'heure, c'est la question du populisme. C'est la question du repli identitaire. Et il suffit de regarder, par exemple, la carte de la France. Ben, en fait, dans les territoires où on a un vote d'extrême droite qui explose tout, ben, globalement, c'est des territoires qui ont été marqués par une précarité sociale qui grandit, par finalement l'idée de dire que, en fait, finalement, avant, c'était peut-être mieux parce que je vivais dans de meilleures conditions. En fait, penser l'Europe, c'est tout simplement se dire aujourd'hui comment, à travers cet espace de collaboration, ben, on est en capacité à la fois de faire face aux enjeux de demain, de rassurer aussi nos populations et de leur permettre d'aspirer. Parce qu'en fait, le récit européen, et je finis là-dessus, c'est pas juste un récit défensif, de défense face à la guerre, c'est aussi un récit d'espoir. Et c'est notre capacité à dire qu'effectivement, demain, on vivra dans de meilleures conditions qu'on ne le vit aujourd'hui. Merci. Merci à tous les cinq pour cette première partie. On va passer maintenant aux questions. J'appelle Laurent De Groot, représentant d'un Césaire, à poser sa question. Donc c'est la première question qui est posée. J'en prendrai trois. C'est là. Voilà. Merci. Je vais vous poser la question sur le Brexit. Le Brexit, il a pris effet le 1er janvier 2021. Donc on a tendance à croire que c'est il y a très longtemps, mais ça n'est jamais que 3 ans. Mais en 3 ans, il y a eu beaucoup de dégâts, parce que le Royaume-Uni a modifié totalement ses comportements et ses liens commerciaux, culturels, etc. Alors moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est que le mandat parlementaire 2019-2024 a été marqué par la mise en œuvre de ce Brexit. Sur les territoires limitrophes, les impacts socio-culturels du Brexit sont indéniables, comme on peut le voir dans les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne. Je parlerai par exemple de la pêche, je parlerai du tourisme, je parlerai de la mobilité estudiantine, etc. La suppression des critères Erasmus, etc. Ils vont tous en Irlande, hein, ils ne vont plus en Angleterre. Bon, bref, si rien n'est fait pour retisser des liens d'amitié, pour favoriser la circulation des personnes, dont la jeunesse, pour faciliter les échanges, faciliter l'ouverture culturelle, le partage et la recherche des savoirs, favoriser les liens et les échanges humains historiques qui continueront à se défaire et se déliter, et la connaissance reculera. Donc, notre démarche est de dire, si on ne fait rien au détriment des sociétés démocratiques et notamment des territoires européens périphériques, ceux dont que je viens de citer par exemple, les plus proches d'une frontière devenue étanche comme la Normandie, la Bretagne et les Hauts-de-France. Bref, vous avez compris que l'enjeu est de faire en sorte de pouvoir retisser des liens. Il y a des choses qui existent. Il y a des partenariats qui se font entre les régions françaises comme la Normandie, comme la Bretagne, comme les Hauts-de-France, et des pays de l'Union, du Royaume-Uni comme l'Écosse, comme le Pays de Galles, etc. Et donc, on peut imaginer que peut-être c'est autrement. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, à vous, parlementaires européens, en respectant le choix souverain du Royaume-Uni, comment vous voyez, vous entendez conserver les liens pour favoriser des retombées positives des échanges avec ce pays dans tous les domaines ? Merci pour cette première question sur le Brexit. Je vais prendre 2 autres questions. D'abord, le groupe Association du CESE. Je suis là. Merci. Oui, une question sur les enjeux de sécurité aujourd'hui. Vous l'avez évoqué les uns les autres. L'Union européenne est née de la fin du conflit le plus meurtrier de l'histoire, qui était celui de la Deuxième Guerre mondiale, au départ économique et politique. La guerre en Ukraine aujourd'hui pose des menaces aujourd'hui dans l'Union européenne, déstabilise nos sociétés, autant sur le plan social qu'économique et politique. Alors, le Parlement européen a utilisé
de nombreuses reprises des résolutions pour soutenir l'Ukraine au plan financier, commercial, diplomatique et militaire. Quel est votre regard à vous sur l'action du Parlement européen sur cette guerre? Quelle forme d'action et de compétences le Parlement devrait se doter pour accroître sa faculté à agir sur ce conflit, mais plus largement aussi dans d'autres situations de crise dans le monde? Merci. Merci. Et une autre question du groupe Agir du CESE. Merci. Oui, je vous vois tout en haut. Allez-y, appuyez sur votre micro. Merci. L'Union européenne a récemment adopté un règlement sur l'intelligence artificielle et donc j'aurais aimé vous interroger sur les technologies et l'autonomie stratégique de l'Union européenne en lien avec les technologies. Est-ce que vous pensez que l'Europe puisse gagner en autonomie stratégique grâce aux technologies ou pas? Et si oui, quelle serait pour vous la bonne stratégie à adopter entre le bon dosage d'autonomie et de technologie? Merci pour ces trois questions. Nathalie Loiseau, on démarre avec vous. J'ai combien de temps pour répondre? 2 minutes. 2 minutes pour trois questions. 2 minutes par question. Ah, par question, vous me rassurez. Alors, sur le Brexit, il se trouve que j'étais négociatrice pour le Parlement européen de l'accord de retrait et de l'accord de commerce et de coopération, et que je préside l'Assemblée parlementaire euro-britannique. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Le Brexit a été une catastrophe pour les Britanniques, qui aujourd'hui se retrouvent isolés dans un monde instable et qui chaque jour reviennent vers l'Union européenne pour nous demander des coopérations. Ils le font sur les migrations, puisqu'ils avaient fait campagne en faveur du Brexit en disant qu'ils allaient reprendre le contrôle et qu'ils n'ont jamais eu autant de migrations irrégulières vers le Royaume-Uni. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a signé un accord avec Frontex et ne le dit pas beaucoup publiquement parce que c'est l'aveu du fait qu'ils ont été moins bien armés pour lutter contre ces migrations irrégulières le jour où ils ont quitté l'Union européenne. Ça a été la même chose pour les relations commerciales. Voilà un accord de commerce qui a été favorable à l'Union européenne et défavorable au Royaume-Uni. Nous exportons plus que par le passé. Davantage d'investisseurs étrangers viennent investir dans l'Union européenne alors qu'avant ils venaient investir au Royaume-Uni. Mais vous avez parfaitement raison de souligner que le Brexit a aussi un impact pour les Européens. Nous avons essayé de le limiter autant que possible, mais les pêcheurs sont ceux qui payent le prix le plus élevé de cette décision, dont je rappelle que l'extrême droite se félicitait en France et qu'elle a été dommageable pour nos pêcheurs français. Ce que nous souhaitons, c'est renégocier au moment de la revue des accords de pêche entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour que nos pêcheurs aient plus de visibilité, plus de prévisibilité, puisque les pêcheurs britanniques et l'économie britannique de la pêche n'a pas profité de l'accord. Donc il n'y a que des perdants et nous voulons remettre les choses à plat. Nous voulons aussi évidemment permettre davantage de circulation entre les personnes. Nous avons protégé nos concitoyens vivant au Royaume-Uni, mais vous l'avez dit, les Britanniques n'ont pas voulu revenir dans Erasmus. La porte est ouverte parce que c'est un outil de préparation des générations à venir. Nous avons ramené les Britanniques dans le programme de recherche européen Horizon Europe et c'est eux qui l'ont demandé, là encore. Et je voudrais parler plus spécifiquement d'un point qui est celui des artistes en tournée. Nous avons beaucoup d'artistes européens qui veulent aller au Royaume-Uni, beaucoup d'artistes britanniques dont les festivals français veulent bénéficier. Le Brexit a rendu les choses très difficiles, bien sûr pas pour les stars internationales, mais pour les jeunes artistes. Et là aussi, notre Assemblée parlementaire a fait des propositions et j'espère qu'elles pourront être entendu. Et évidemment, le Comité européen des régions est un partenaire permanent de l'Assemblée parlementaire euro-britannique pour pouvoir travailler non seulement avec l'Angleterre, mais avec le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord et les régions françaises. S'agissant de l'Ukraine, qu'est-ce que le Parlement européen devrait avoir comme compétence supplémentaire? Nous sommes ceux qui donnons notre accord sur l'aide financière, sur un certain nombre de mécanismes.
Je dirais que nous voulons avoir davantage de puissance de contrôle sur tout ce qui relève de la défense, par exemple la Facilité européenne pour la paix. Nous avons pu savoir ce qui se faisait et donner notre avis, mais simplement parce que les uns et les autres étions d'accord pour nous en parler, nous n'avions pas de pouvoir pour le faire. Et c'est évidemment nécessaire. Je voudrais parler de la question commerciale avec l'Ukraine, parce que nous aidons l'Ukraine, nous avons raison, et je dirais, il n'y a pas de « mais ». Il n'y a pas « je soutiens l'Ukraine, mais ». En revanche, il y a une inquiétude sur les produits agricoles ukrainiens qui entrent en Europe. Ce qui me frappe dans le débat politique français, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude sur les produits agricoles russes et biélorusses qui rentrent en Europe. On n'en parle jamais, ce qui prouve qu'on a des œillères. Il est temps qu'on taxe fortement les produits russes et biélorusses, compte tenu du fait que la Russie mène un chantage alimentaire au reste du monde. Et il est temps d'aider encore davantage l'Ukraine à libérer ses exportations par la mer Noire, qui lui permet de retrouver ses marchés traditionnels d'Afrique du Nord, du Levant et d'Afrique subsaharienne. Sur la question de l'intelligence artificielle et de l'autonomie stratégique, vous avez parfaitement raison, madame. Nous devons investir massivement dans la réindustrialisation de l'Europe et dans l'innovation européenne. L'intelligence artificielle est à la fois une formidable opportunité, une révolution industrielle que nous ne devons pas laisser passer, et une révolution industrielle sur laquelle nous devons imposer la protection de notre modèle de société. Personne ici, je crois, n'a envie d'une société à la chinoise où l'intelligence artificielle pourrait servir à la surveillance des populations. C'est la raison pour laquelle nous avons très tôt mis en place une réglementation de l'intelligence artificielle. Elle était nécessaire, elle était même appelée de leur vœu par un certain nombre d'ingénieurs de l'intelligence artificielle qui nous disaient « ne nous laissez pas faire n'importe quoi ». Et maintenant que nous l'avons fait, il faut être capable d'investir massivement. Et investir massivement, ça veut dire en européen. On a besoin de nouveaux champions industriels européens, de la même manière qu'on a eu Airbus, de la même manière qu'on a eu Ariane, de la même manière qu'on a aujourd'hui l'Europe des batteries électriques. On doit avoir l'Europe de l'intelligence artificielle. Et aucun pays seul n'aura les talents et les financements nécessaires pour le faire. Merci. C'est au tour de Philippe Olivier. Sur ces trois points. Oui, je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors, sur le Brexit, d'abord, je crois que personne ne conteste la décision souveraine du peuple britannique. On peut estimer qu'il a eu tort ou qu'il a eu raison, peu importe. Il a décidé ainsi. Et je pense que les Britanniques, dans leur histoire, ont montré qu'ils n'avaient besoin de personne pour défendre leurs intérêts. Ils n'ont d'ailleurs pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc, il faut leur faire confiance pour défendre ce qu'ils estiment être leurs intérêts. Nous, on a affaire à une situation. Moi, j'aurais aimé que l'Union européenne tire les conséquences, les conclusions de cet accident industriel. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un divorce, et un divorce dans des conditions extrêmement difficiles. Un divorce que l'Union européenne s'est ingéniée à rendre encore plus difficile avec une espèce de guérilla qui a été menée et qui est encore un peu menée. Au lieu de se dire, ben voilà, c'est la réalité des choses, il y a un pays qui veut quitter l'Union européenne. D'ailleurs, on avait tellement confiance dans l'Union européenne qu'on ne pensait pas que c'était possible. Eh bien, c'est possible, il y a des pays qui peuvent partir. Alors nous avons une vision différente, en fait, de la construction européenne, parce que nous sommes européens, et nous pensons que nous pouvons aller vers une coopération à la carte. D'ailleurs, un peu ce qui s'est fait avec le Danemark, parce que le Danemark a négocié un certain nombre de points sur lesquels il n'est pas dans le système d'intégration. Et finalement, ça marche assez bien. On aurait pu espérer aller vers cela, on n'a pas été vers cela. Et c'est bien dommage parce que peut-être qu'avec notre vision des choses, la Grande-Bretagne serait restée parmi nous. S'agissant de la pêche, moi je remarque que, en fait, quand le Brexit a été négocié, on ne s'est pas occupé de la pêche. Pourquoi on ne s'est pas occupé de la pêche? Parce que l'Autriche s'en fiche. Parce que des tas de pays qui sont associés au multilatéralisme s'en fichent. Et là, on voit bien les bienfaits du bilatéralisme, et c'est ce bilatéralisme que nous appelons de nos voeux. Sur la question ukrainienne.
Nous avons condamné l'agression russe et l'attaque russe, qui est une violation du droit international, du droit des peuples. Ça ne fait aucun doute. L'Union européenne l'a fait. Elle prend un certain nombre de résolutions, mais s'est engagée dans une politique de rétorsion qui n'a pas été forcément très réfléchie. Donc on est parti en guerre sur l'énergie, on est parti en guerre sur un tas de sujets, sans réfléchir aux conséquences. Là, on a encore l'Union européenne qui nous dit on va intégrer l'Ukraine dans, au sein des 27, donc un 28e membre. Ce n'est pas réfléchir à la situation. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des crédits des territoires iront à l'Ukraine parce que l'ensemble des régions ukrainiennes seront considérées comme les plus pauvres. Et puis la PAC disparaîtra au profit de l'Ukraine. C'est évidemment un préjudice absolument considérable. Donc nous nous appelons évidemment à la solidarité avec l'Ukraine, mais à une solidarité réfléchie. En ce qui concerne l'IA, on l'a vu, l'Union européenne, qui avait promis le progrès, a raté toutes les révolutions technologiques. On a raté les moteurs de recherche, on a raté les tablettes, on a raté les smartphones, on a raté absolument tout, et on a raté l'IA. Il y a ChatGPT. ChatGPT n'est pas européen. Et quand on nous dit regardez, l'Union européenne, c'est le progrès, je rappelle que Galileo, qui est le GPS européen, a été lancé en 2000. On est en 2024. Il n'est pas opérationnel ou à peine opérationnel. Alors que la Chine avait lancé le sien en 2000, en 2003, il était opérationnel. Et on doit être à la 8e version. Donc vous voyez que l'Union européenne qui promet... Non. Pas du tout. On vous laissera, rebondir après, Nathalie. Écoutez, vous regarderez sur Internet. En fait, la promesse de progrès n'a pas été tenue. Ce que je reproche à l'Union européenne en la matière, parce que je crois vraiment que l'IA pourrait être un sujet de coopération européenne, c'est qu'elle a une vision purement normative. Il s'agit de restreindre, de limiter, d'interdire, ce qui peut être nécessaire, parce que l'IA pose un certain nombre de sujets. Mais il faut créer des champions de l'IA, il faut créer un écosystème qui permette le développement de cette technologie qui va donner aux pays qui en sont détenteurs un avantage absolument considérable. Je continue le tour de table et puis il y aura la possibilité d'avoir un rebond ensuite. Chloé Ridel, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc je vais reprendre les questions dans le même ordre sur le Brexit. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le Brexit a eu des conséquences catastrophiques pour les Britanniques par rapport aux objectifs initialement annoncés du Brexit. La rhétorique des Brexiteurs, c'était le take back control, la reprise de contrôle, et un nouveau récit qui était celui de la Global Britain, c'est-à-dire que le Royaume-Uni allait se détourner de l'Europe, mais se tourner vers le monde. Résultat, le Royaume-Uni a été obligé de conclure un accord avec l'Union européenne qui, aujourd'hui, l'a conduit à toujours appliquer les normes européennes pour éviter le rétablissement d'une frontière dure en Irlande, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et donc, elle se retrouve à être en dehors de l'Union européenne, mais à toujours appliquer ses normes sans pouvoir avoir un impact sur la façon dont ces normes sont décidées et appliquées, puisqu'elles ne siègent plus au sein des instances européennes. Donc c'est une perte de souveraineté, finalement, énorme pour le Royaume-Uni. Et quand j'entends M. Olivier expliquer que non seulement le Brexit était dans l'intérêt des Britanniques, je m'étrangle, ça n'était pas dans leur intérêt. Et quand j'entends en plus que l'Union européenne aurait mené une guérilla aux Britanniques et que l'Union européenne aurait simplement dû se coucher et accepter comme ça que derrière l'exemple britannique, des tas d'autres pays aient l'idée de décider de sortir de l'Union européenne pour ensuite lui mener une concurrence déloyale à ses portes, parce que c'était ça, le rêve du Brexit, c'était aussi le rêve libertarien du Singapour sur Tamise, c'est-à-dire qu'on allait être aux portes de l'Europe et qu'on allait faire baisser les standards environnementaux, sociaux, pour mener concurrence à l'ensemble du continent. Donc c'est une vision que je récuse pleinement et entièrement, et je crois que c'est le contraire de ce que l'humanité doit faire aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été aussi interdépendants, monsieur. Face à la catastrophe écologique, les peuples du monde n'ont certainement pas intérêt à nier cette interdépendance, puisque la Terre est un système vivant unique, que les pollutions ne,
ne comptent pas de frontières, ne connaissent pas de frontières, et que face à cette catastrophe écologique notamment, nous avons intérêt à toujours plus coopérer et toujours plus nous coordonner entre peuples. Donc de raconter aux gens qu'en fait le grand rêve de l'humanité c'est d'être indépendant alors qu'une telle chose est une fiction pure et simple et n'est pas dans notre intérêt, je crois que c'est vraiment très dangereux. Donc voilà ce que je dirais sur le Brexit. Sur la sécurité, sur l'Ukraine, je vais répéter un peu ce que j'ai dit dans mon introduction. Nous devons à l'Ukraine un soutien ferme et infaillible. Et j'observe là aussi que le RN, mais malheureusement, ça n'est pas la seule force politique à s'en être rendu coupable, n'a cessé d'osciller dans sa position sur le soutien à l'Ukraine. Déjà par une complaisance depuis 2014, mais bien avant et qui remonte à loin, avec le régime de Vladimir Poutine. Je crois même que vous vous étiez rendu personnellement en Crimée, que vous aviez validé les résultats de ce référendum illégal d'annexion de la Crimée par la Russie. Donc je crois que tout ce que vous dites en la matière n'a aucune crédibilité, monsieur. Et nous devons le soutien à l'Ukraine, nous devons la soutenir militairement. Je sais que Bardella, en mai 2022, racontait qu'il fallait envoyer à l'Ukraine des pansements, peut-être du matériel humanitaire, mais en aucun cas ce qu'il appelait du matériel offensif, pour, 6 mois plus tard, réviser sa position et dire qu'il fallait envoyer des armes et des obus, etc. Nous devons soutenir l'Ukraine militairement, financièrement, et je dois dire que pour cela, nous n'avons pas été à la hauteur. Le gouvernement français n'a pas été à la hauteur. C'est ce que l'histoire rendra à ce stade. Parce que ce que nous avons envoyé en termes d'aide militaire, financière, humanitaire, nous, la France, à l'Ukraine depuis le 24 février 2022, représente 0,6% de notre PIB. C'est une honte. Donc même si aujourd'hui le président essaie de rattraper le coup, pardon, mais là aussi, cela manque un peu de crédibilité. Nous devons augmenter notre soutien à l'Ukraine parce qu'aujourd'hui, le front ukrainien est fragilisé, que Vladimir Poutine continue de bombarder les infrastructures énergétiques, continue de bombarder les civils. C'était encore le cas à Kiev. Et je sais que vous y étiez la semaine dernière, après où il a relancé les bombardements sur Kiev. Donc là-dessus, nous ne devons pas faiblir et avoir les deux yeux bien ouverts, sur la menace que représente Vladimir Poutine. Et la moindre des choses, c'est d'aider la résistance ukrainienne à ne pas s'effondrer. C'est comme ça, et pas autrement, qu'on obtiendra la paix et la justice. Sur la question de l'intelligence artificielle, merci beaucoup de l'avoir posée. Je crois que nous sommes là dans des développements très inquiétants et que l'Europe doit faire valoir son modèle, une certaine idée de ce qu'est la technologie au service toujours de l'être humain, et pas à son détriment, parce que nous avons face à nous, aux États-Unis, un courant transhumaniste et scientiste extrêmement puissant, notamment autour de grands, grands milliardaires comme M. Elon Musk ou comme M. Jeff Bezos, qui, eux, promeuvent une sorte d'idée de la technologie sans limite qui nous sauvera de tout, d'aller coloniser Mars, de mettre au point des technologies qui permettent, comme Neuralink avec Facebook, de lire dans les pensées, etc., etc. Donc nous devons nous opposer à cette vision, comme nous devons nous opposer à la vision chinoise qui met la technologie au service du contrôle social. Et donc l'Europe a vraiment une carte à jouer dans la philosophie de la technologie qui doit être la sienne, empreinte de contrôle de ces technologies. Il faut que nous régulons, et nous avons une puissance normative, utilisons-la pour faire en sorte que la technologie soit toujours au service de l'être humain, ce qui n'est pas le cas, et nous acceptons que sur le sol européen, il y ait des entrepôts Amazon où les travailleurs sont soumis au bon vouloir des machines, n'ont pas de pause, se voient même signaler leur avis de licenciement s'ils ne sont pas assez rapides pour aller pick-up les marchandises dans les entrepôts Amazon de façon automatique par une machine avec une lettre de licenciement. Donc ça, ce sont des exemples qu'on ne peut pas tolérer, donc il faut qu'on régule, mais il faut aussi qu'on investisse dans des technologies et qu'on contrôle cette R&D, que cette R&D soit davantage publique pour qu'on puisse contrôler là où l'argent va et là où l'argent est mis, pour qu'on ait un progrès technique qui soit réconcilié avec l'objectif de progrès écologique. Merci. Et de respect des droits humains. Merci. Merci. Kevin Versin, pour la gauche européenne. Donc, réponse 6 minutes sur ces 3 points également. Merci beaucoup. Donc, d'abord, sur la question du Brexit. Bon, ça a été rappelé, il y a eu le vote du peuple britannique, mais on est au-delà maintenant du vote du peuple britannique parce que depuis, nous avons conclu un accord, Union européenne et Royaume-Uni, pour organiser la sortie et les modalités de nos relations suite au départ du Royaume-Uni. Et ce qui l'incombe de vérifier, c'est que le Royaume-Uni respecte les engagements qui sont les siens au terme de l'accord que le Royaume-Uni a conclu avec l'Union européenne. Et sur ce point-là, force est de constater que le Royaume-Uni
régulièrement ne respecte pas les engagements qu'il a conclus. La France, on l'a vu en 2022 et auparavant, sur la question de la pêche, où le Royaume-Uni a été tout sauf respectueux de ses engagements en termes d'accès à ses eaux territoriales par la pêche française. Mais puisque nous sommes aspirants à être au Parlement européen, nous ne soucions pas que de la France, mais aussi des autres États membres de l'Union européenne. Et là, je veux parler de l'Irlande. Au terme de l'accord qui a été conclu par le Royaume-Uni, il y a un protocole sur la question spécifique de l'Irlande, et notamment sur le respect de l'accord de Vendredi Saint. Or, le Parlement britannique a adopté une loi, je ne prends que ces exemples-là, sur l'amnistie pour les troubles qui ont été commis lors des affrontements en Irlande du Nord. Cette loi d'amnistie, qui a été condamnée par plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies, qui a été condamnée par le Conseil de l'Europe, est une violation flagrante des engagements du Royaume-Uni au regard de ce protocole à l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que l'Union européenne se fait respecter par le Royaume-Uni et comment est-ce que le Royaume-Uni respecte les engagements qu'il a conclus. Et ça, je pense qu'on a encore des marges de progression sur comment est-ce qu'on s'assure que le Royaume-Uni respecte les engagements qui sont les siens et qu'il a souverainement conclu avec l'Union européenne et l'ensemble de ses États membres. Ensuite, sur la question de l'Ukraine et notamment du rôle du Parlement européen. Madame Loiseau l'a rappelé, le Parlement européen approuve notamment les différents paquets d'aide financière à l'Ukraine. La question que vous avez posée, c'était est-ce que le Parlement européen devrait pouvoir faire davantage ? En fait, la question que vous posez, c'est la question du rôle que joue l'Union européenne en tant qu'Union européenne en matière de politique étrangère et de défense. Là, je reviens à ce que j'ai dit dans mon propos préliminaire. Il faut faire une distinction, à savoir que l'Union européenne n'a pas vocation à se substituer à la politique de défense et à la politique diplomatique de ses États membres. Donc, à notre sens, la politique étrangère et de défense doit rester l'apanage des États membres. Ça n'exclut pas la coopération ni la coordination, bien évidemment, mais ça n'est pas à l'entité Union européenne en tant que telle d'avoir une parole diplomatique et de défense, mais à ses États membres. Et justement, pour faire un peu lien quand même à votre question sur le contrôle démocratique, la question qui devrait se poser est celle de l'implication des parlements nationaux dans la définition de la politique de défense et de la politique étrangère. Et notamment, par exemple, il y a eu certes le débat à l'Assemblée nationale sur l'accord qui a été conclu par Emmanuel Macron avec l'Ukraine, mais le débat n'avait aucun effet, quel que soit le vote contraignant vers le gouvernement français. Et par ailleurs, le vote ne portait pas sur l'accord qui a été conclu par Emmanuel Macron avec l'Ukraine. Donc là, en termes de démocratie, nous avons des progrès à faire sur le contrôle que le Parlement exerce sur la politique étrangère et de défense telle que formulée par l'exécutif français. Ensuite, pour continuer sur cette lancée, pour répondre à la troisième question, dont il me semble qu'elle n'était pas que sur l'intelligence artificielle, mais sur les technologies de manière générale et l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Là où l'Union européenne pourrait agir, en complément des États membres pour assurer notre sécurité en matière de technologie, c'est sur certains exemples très concrets, où la Russie pourrait nous nuire. Je prends deux exemples. La protection de nos satellites. Nous savons que la Russie a la capacité de détruire nos satellites. Il y a urgence à ce qu'il y ait une coordination européenne en matière de protection de nos satellites. Et un autre sujet dont on parle trop peu, les câbles sous-marins. 99% des données passent par les câbles sous-marins et chaque jour, c'est 10 000 milliards de dollars qui s'échangent par les câbles sous-marins. La France est une des principales portes d'entrée de l'Union européenne pour les câbles sous-marins. En termes de protection, nous avons une absence complète de réflexion stratégique en cette matière. Pour la zone qui va de l'Atlantique à la mer Baltique, nous avons un seul navire qui peut assurer les réparations. Donc là, nous avons une urgence à nous saisir de la protection des câbles sous-marins. Et là, l'Union européenne pourrait être une force de complément à une action stratégique de la part des États membres pour protéger cet enjeu que sont les câbles sous-marins. Ce qui fait du coup le lien avec la question sur les technologies critiques. Ce qui se pose, ce n'est pas tant est-ce que les technologies permettent l'autonomie stratégique de l'Union européenne, mais comment est-ce que notre autonomie stratégique permet de préserver notre accès à ces technologies. Je prends l'exemple des puces et des semi-conducteurs. Nous avons un objectif qui a été fixé par le Chips Act de passer à 20% de production de semi-conducteurs par l'Union européenne d'ici 2030. C'est un objectif très louable et essentiel, mais là, après, se pose la question du nerf de la guerre, de l'argent. D'après les données qui ont été publiées par la Commission européenne, on a suscité 90 milliards d'investissements en la matière. Les États-Unis sont à 300 milliards. Et les récentes déclarations austéritaires du gouvernement français, mais aussi du pacte de stabilité et de croissance révisé, ne nous permettront pas d'avoir l'argent nécessaire pour garantir cet objectif qui est là particulièrement louable pour assurer notre accès à ces technologies critiques. Merci. Abdoulaye Diarra pour le groupe des Verts. Donc, réponse à ces trois questions également. Merci. Alors, pour répondre déjà à la première question sur la question du Brexit, effectivement, ça a pas mal été évoqué, tous les impacts négatifs que peut subir à la fois la population du Royaume-Uni, mais également, pour être très honnête, le reste de l'Union européenne qui a été particulièrement marqué par cette situation. Et pour le coup, je pense que
la question du Brexit, elle ne doit pas seulement être lue en se disant que finalement, effectivement, les formations politiques, même le Rassemblement national, a changé de position et finalement ne souhaite plus sortir de l'Union européenne. L'enjeu qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, face à un repli identitaire qu'on voit monter partout en Europe, en fait, la question du Brexit, il nous pose la question finalement de l'adhésion de chacun d'entre nous, de nos États, finalement, à cette union et à ce projet politique qu'il y a derrière. Parce qu'on a pas mal parlé, notamment sur la question de l'Ukraine, que ce soit sur la PAC. En fait, fondamentalement, on est investi dans l'Union européenne, on défend cette union, pas juste pour des raisons purement économiques. Alors oui, effectivement, l'impact du Brexit, économiquement, pour le Royaume-Uni, a été particulièrement fort et particulièrement désastreux. Mais aussi pour des raisons politiques et philosophiques. Effectivement, on est convaincu que l'Union européenne, c'est un espace qui a été créé au lendemain, effectivement, d'une guerre, pour tout simplement garantir la paix et essayer de transformer la société positivement. Et je fais lien notamment avec la question qui suit sur la question ukrainienne, parce que tout à l'heure a été évoquée l'idée que finalement nous ne pourrions pas admettre l'Ukraine dans l'Union européenne à cause de la politique agricole commune. Parce que finalement, il partirait avec l'argent ou en tout cas avec le financement de l'Union européenne. Ben moi, ce que j'ai envie de répondre, alors effectivement, on est le seul groupe politique ici à l'exception des insoumis à avoir voté contre la politique agricole commune, ben en fait, c'est que, en fait, on n'est pas engagé fondamentalement à soutenir une politique avec laquelle, finalement, nous ne sommes pas d'accord. On n'est pas fondamentalement obligé de soutenir une politique agricole commune qui a pour conséquence d'avantager financièrement, aujourd'hui, les grands terrains agricoles au détriment des paysans et des paysannes. On n'est pas obligé, effectivement, de se contenter aujourd'hui d'une politique agricole commune qui se traduit par le fait qu'en France, on a plus d'un suicide par jour d'agriculteurs. Et qu'en fait, aujourd'hui, quand on pense la question de l'Ukraine, quand on pense aujourd'hui qu'il est nécessaire d'avoir un investissement très fort pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir la défendre, bah effectivement, il faut qu'on repense l'ensemble des politiques européennes pour justement permettre de faire ce qu'on dit, au-delà des discours. Et là, je suis désolé, on a un chef de l'État qui, en ce moment, passe sur tous les plateaux télé expliquer qu'il faut défendre l'Ukraine. Alors, effectivement, tout à l'heure, on parlait de l'impact économique réel de l'aide de la France. Ben, en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est d'être cohérent. Effectivement, quand on dit qu'on veut défendre l'Ukraine, mais que finalement, sur les questions d'importation du gaz russe, on est à peu près dans la même situation qu'avant le début de la guerre, ben, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'indirectement, on finance en partie cette guerre. Et donc, l'enjeu, c'est justement de dire qu'aujourd'hui, sur les questions ukrainiennes, on avance et en fait, on veut défendre réellement et que sortir de notre dépendance des énergies fossiles, repenser effectivement tout simplement notre modèle économique, c'est quelque chose de fondamental. Et le dernier petit point sur la dernière question, sur la question des technologies et de l'IA, en fait, le gros enjeu que nous on voit, c'est que l'Union européenne, comme je vous le disais, c'est une place économique particulièrement importante. C'est notre capacité à investir dans ce qui nous semble essentiel et en capacité de transformer les choses. Alors effectivement, là, on l'a vu, on a le Parlement européen qui a voté le retour à l'austérité. Mais en fait, justement, on a besoin de changer de modèle. On a besoin de changer notre vision de l'Union européenne pour se dire qu'effectivement, elle est en capacité d'investir dans des secteurs qui sont clés et qui seront clés demain. Elle a besoin d'investir pour faire de la transition climatique une réalité. Elle a besoin d'investir pour tout simplement garantir que la réindustrialisation, elle se fasse sur des bases vertueuses qui permettent justement d'améliorer les conditions très concrètes des citoyens en Europe. Et surtout, un élément qui est fondamental, c'est qu'en fait, l'austérité et l'inaction nous coûtent plus cher. On sait qu'aujourd'hui, dans un monde qui risque de monter à plus 3 degrés, c'est des milliards supplémentaires juste pour pouvoir vivre dans les conditions actuelles, sans même parler de notre capacité, tout simplement, à pouvoir anticiper les sujets de demain. Et je prends plus juste un dernier petit exemple, c'est la question des Pyrénées orientales, où effectivement, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas plu depuis plusieurs mois, et on a aujourd'hui, en France, le risque d'avoir les premiers réfugiés climatiques. Donc effectivement, investir au niveau européen pour faire de la transition climatique une réalité, c'est une nécessité, notamment dans un territoire où on se pose la question, tout simplement utiliser le Rhône, donc le deuxième fleuve en France, pour pouvoir approvisionner en eau une région en France. Merci. On va avancer avec d'autres questions liées au commerce extérieur. Trois questions de trois groupes différents du CESE. D'abord, le groupe agriculture, s'il vous plaît. Le groupe agriculture, alors le groupe environnement nature. Je suis là. Merci. Merci.
Merci. La paralysie de l'OMC et le retour du protectionnisme, en particulier aux États-Unis, ont rebattu les cartes du commerce mondial. Dans ce contexte, l'UE a relancé sa politique d'accords commerciaux, dit de libre-échange, avec des résultats diversement appréciés, comme en témoignent les exemples du Mercosur, du CETA, l'accord Europe-Canada récemment soumis au Parlement français. Par-delà leur contenu traditionnel, abaissement des tarifs douaniers et règlement des différends, comment et à quelles conditions ces accords peuvent-ils contribuer à établir un juste échange, prenant également en compte la pression exercée sur les ressources? Et comment, à votre avis, introduire plus de transparence et de démocratie dans les modalités de leurs négociations? Merci. Merci pour cette question. Le groupe des non-inscrits du CESE. Oui, bien, la question que j'avais prévu de poser rejoint celle qui vient d'être abordée. C'est vrai que l'Europe dans le monde, c'est l'Europe avec le monde, une partie du monde, à travers ces accords bilatéraux qui ont souvent alimenté les discussions depuis hier dans cette salle et puis dans l'actualité parlementaire française avec le CETA. Et donc, ces accords, évidemment, suscitent beaucoup de questions, en particulier pas seulement les accords de nouvelle génération. Tout d'abord, ça a été dit, donc je n'y reviens pas, sur le processus de négociation qui est totalement opaque et qui exclut la société civile, qu'elle soit organisée ou pas, et puis sa capacité à intervenir ou à être consultée. En second lieu, les accords de libre-échange se posent la question des clauses miroirs, leur absence qui est souvent dénoncée. Mais à l'avenir, s'il y en avait, ne serait-ce pas un marché de dupes pour les citoyens ou pour les consommateurs, dans la mesure où... Parlez bien dans le micro pour qu'on vous entende bien. Dans la mesure où l'Europe s'apprête non pas à imposer des normes dans des accords multilatéraux, bilatéraux, mais à supprimer ou à diminuer ses propres normes. Et enfin, que pensez-vous de cette modalité de règlement des différends qui fait que des investisseurs, et non pas des États, peuvent attraire des États membres pour leur législation nationale? Et donc, est-ce qu'on n'a pas un risque de voir finalement un intérêt général? Je parle des enjeux de santé, des enjeux environnementaux, des enjeux de sécurité des consommateurs. Ces enjeux, finalement, passer à la trappe et être sacrifiés sur l'autel d'intérêts uniquement et purement économiques. Voilà, qu'en pensez-vous? Merci. Merci. Donc, vous avez 3 minutes chacun. Nathalie Loiseau. Merci pour ces questions qui permettent peut-être de sortir d'une exception française, c'est-à-dire d'un débat politique qui semble détester le commerce. Et j'avoue que c'est un peu sidérant au vu de ce que sont les points forts de notre économie, de vouloir absolument éviter les accords commerciaux. Quand notre économie repose sur l'aéronautique, qu'elle repose sur des exportations agricoles, qu'elle repose sur le luxe, les cosmétiques, s'imaginer que l'on se porterait mieux si on avait moins d'accords de commerce, c'est vouloir nous livrer à un monde où l'OMC est effectivement aussi dysfonctionnel que toutes les institutions multilatérales. Je rappelle que la puissance commerciale avec laquelle nous avons le plus gros déficit, la Chine, est un pays avec lequel l'Union européenne n'a pas d'accord de commerce. Donc on a, depuis un certain nombre d'années, dans le débat politique en France, mis à égalité libre-échange, accord de commerce et difficulté du déficit commercial français. C'est totalement absurde. Ça nous met totalement en dehors d'un esprit de conquête commerciale. Je voudrais là-dessus parler du CETA et du phénomène étrange qui vient de se dérouler au Sénat français, où celles qui s'appellent la droite de gouvernement, les LR, ont décidé de courir derrière l'extrême droite en passant par la gauche. Il y a à peu près une certitude, c'est qu'elle va se perdre. Et rejeter un accord qui est avantageux, non seulement pour l'Union européenne, mais pour
la France, et non seulement pour la France, mais pour les agriculteurs français. Je dois dire, il fallait le faire. Ils l'ont fait, et je trouve que c'est véritablement tragique de démagogie et de refus de la réalité. Il y a les bons et il y a les mauvais accords commerciaux. On a parlé tout à l'heure du Royaume-Uni. C'est un bon accord commercial pour l'Union européenne. C'est un bon accord commercial pour les Français. Et c'est un accord qui contient le respect de l'accord de Paris comme clause fondamentale de l'accord et qui exige des Britanniques, s'ils veulent continuer à exporter sans tarifs et sans quotas vers l'Union européenne, qu'en réalité, ils en restent aux mêmes normes que nous. Il n'y a pas plus bel accord clause miroir que l'accord avec le Royaume-Uni. Pour les accords qui sont négociés depuis des années, voire des décennies, ces accords doivent être améliorés. C'est la raison pour laquelle, et le président de la République l'a redit au Brésil, nous ne pouvons pas accepter l'accord avec le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui, parce que précisément, il n'est pas suffisamment protecteur de l'environnement, protecteur de nos normes et protecteur de normes sociales et environnementales. Quelqu'un a utilisé le terme de juste échange. C'est vers cela que nous voulons aller et c'est vers cela que nous avons commencé à aller. C'est vers cela qu'il faut qu'on convainque aussi un certain nombre de nos partenaires européens. N'imaginons pas que nous nous porterions mieux si nous devions négocier seuls, à niveau national, des accords de commerce avec le reste du monde. C'est l'expérience que les Britanniques font depuis le Brexit. Ils ont systématiquement des accords moins avantageux pour eux que ceux qu'a passé l'Union européenne avec les mêmes pays. Il y a des pays avec lesquels on ne pourra pas, probablement pas, passer d'accord complet de libre-échange. Et il faut certainement faire évoluer, j'allais dire, la doxa de la Commission européenne là-dessus. Je pense à l'Inde. Ça fait des années qu'on négocie, ça fait des années qu'on n'y arrive pas, et c'est peut-être pas le bon moyen d'améliorer et je dirais de réguler notre commerce avec l'Inde. Passer des accords sectoriels serait probablement beaucoup plus pragmatique et permettrait de défendre nos intérêts. Soyons très simples dans notre approche. Les accords qui sont dans notre intérêt, on les encourage. Ceux qui ne sont pas dans notre intérêt, on ne les signe pas, on ne les ratifie pas. Merci. Moi, je suis ravi de ce débat. C'est à vous. Merci. Je suis ravi de ce débat sur le libre-échange parce que quand, dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, nous posions la question, nous étions considérés comme des réactionnaires, des gens qui refusaient le progrès, l'avancée du monde, etc. Et on nous disait, vous êtes contre le commerce. Et on n'était pas contre le commerce. On n'est toujours pas contre le commerce. On n'est pas pour le libre-échange, on est pour le juste-échange. Et madame, vous avez employé cette expression-là. C'est quoi le juste-échange? C'est effectivement qu'il y a un commerce, mais ce commerce est régulé. Parce que même les plus capitalistes pensent que le capitalisme, le commerce, doit être régulé. Il n'y a pas la loi de la jungle. On ne veut pas d'un côté tout autoriser et de l'autre écraser les producteurs de normes. Ce n'est pas possible. Et là, on voit bien qu'il y a une énorme injustice. Et pas simplement une injustice sur le plan moral, mais il y a une atteinte profonde à nos intérêts économiques, à nos intérêts agricoles, à nos intérêts en matière d'élevage, etc. Alors, quels sont les critères d'un échange qui pourrait être juste? D'abord, c'est évidemment les clauses miroirs. Parce qu'on ne voit pas qu'on puisse imposer à nos producteurs des normes que les importateurs contournent totalement. Il y a d'ailleurs des gens qui vous disent, par exemple l'industrie BIC vous dit, moi si les gens du monde entier produisent avec les normes que j'ai, je suis compétitif. Et pourtant on voit arriver des briquets sur le marché qui sont évidemment beaucoup moins chers mais qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques de sécurité. La deuxième chose, ça pourrait être des clauses sociales, c'est-à-dire imposer à des États des bonnes pratiques sociales, des salaires minimums, la protection sociale, l'arrêt du travail des enfants. On ne fait rien de tout ça. La troisième chose, c'est qu'on pourrait lutter contre les fraudes. Parce qu'il y a énormément de fraudes. C'est-à-dire qu'on vous indique que des denrées arrivent avec telle ou telle caractéristique et elles n'ont pas ces caractéristiques-là. Moi, je crois au localisme également. Je pense que c'est une aberration écologique
Et c'est assez amusant de voir l'Union européenne qui se targue d'être un modèle en matière écologique, qui promeut un système où on produit en Chine, on consomme en Europe et on retraite en Inde. Tout cela est absurde. Évidemment, le localisme, c'est la solution qui est évidente. Je remarque aussi, et j'en conclurai par là, que le mondialisme est en train de se rétracter. Dans les années 90, on pensait que c'était un phénomène irréversible, définitif, et on nous expliquait que c'était la fin de l'histoire. Eh bien non, les peuples, les nations, les gens redemandent des protections. Et je pense que dans l'offre politique, nous incarnons ce courant-là. C'est pourquoi, je crois, nous avons un certain écho parmi la population. On le remarque partout, y compris aux États-Unis, notamment avec la loi IRA. Merci, Kevin Versin. C'est à vous. Pardon, Chloé Ridel. Excusez-moi. Merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais recadrer ce débat sur la question du commerce, puisqu'il est à l'origine du projet européen. Il y avait dans l'idée de Jean Monnet que pour faire la paix dans le monde, il fallait faire du commerce. Et qu'à mesure que les intérêts deviendraient tellement puissants, dès que des gouvernements essaieraient de se faire la guerre l'un à l'autre, les intérêts privés seraient là pour leur rappeler que non, puisqu'il y avait des intérêts économiques en jeu, il ne fallait pas faire la guerre. Ça a été la philosophie quand même à l'origine de toute la politique de commerce de l'Union européenne qui, en réalité, nous a amené de la perte de souveraineté, des délocalisations et toute une série aussi de catastrophes écologiques. Donc nous devons tourner la page de cette philosophie de la paix par le commerce. Je pense que nous avons commencé à la tourner puisque le commerce n'a jamais apporté la paix et le commerce ne résume pas les relations que l'Europe peut nouer avec l'ensemble des pays du monde. Je prends un exemple. Je ne crois pas que pour, par exemple, aider le Bangladesh à se développer, la meilleure chose que l'Union européenne ait à faire soit de lui délocaliser sa production de vêtements. Je ne le crois pas. Je crois que la relation et notamment toutes les choses que nous pouvons faire pour aider les pays du Sud et les pays en voie de développement, ça n'est pas de conclure des accords de libre-échange. Sur la question du CETA, cet accord commercial était un scandale à la fois sur le fond et sur la forme, puisqu'il est appliqué provisoirement sans jamais avoir fait l'objet d'une validation parlementaire. Sur le fond, cet accord ne respecte pas les accords de Paris, puisqu'il faut savoir que 40% des échanges entre l'Union européenne et le Canada, ce sont des énergies fossiles. C'est aussi un accord qui dérégulait la question, le commerce sur le volet agricole. Il y avait une clause miroir, il faut quand même le dire, sur la question du bœuf, mais pas, par exemple, sur la question du porc. Donc on pouvait importer du porc du Canada qui n'était pas soumis aux mêmes normes de production que les nôtres. C'était aussi un accord qui prévoyait la libéralisation des services publics. Et quand vous dites, Madame Loiseau, que ce qui s'est passé au Sénat, le vote qui a été organisé sur le CETA et qui a rejeté, est un phénomène étrange, j'ai envie de vous dire que ce phénomène étrange s'appelle simplement la démocratie parlementaire. Par contre, ce qui est étrange, la démocratie parlementaire, madame, par contre, ce qui est étrange, c'est que le gouvernement que vous soutenez s'oppose à ce qu'il y ait un vote sur le CETA à l'Assemblée nationale le 30 mai. Ça, c'est un scandale démocratique et il faut le dire, je crois. Parce que vous ne l'avez pas dit dans votre intervention, mais ça, c'est un phénomène très étrange. Et je me permets de terminer. Parce que il faut dire aussi, quand j'entends ce que vous dites et la façon dont vous dénoncez le libre-échange, je rappelle quand même que M. Bardella s'est par exemple abstenu sur le Mercosur, l'accord de libre-échange entre l'Amérique latine et l'Europe. Il n'a pas voté contre, il s'est abstenu. Donc c'est bien après de raconter qu'il faut relocaliser le localisme, etc. Vous n'êtes pas au rendez-vous quand il s'agit de concrètement voter les choses. Donc nous, notre vision, elle est simple. C'est effectivement une vision du juste échange, de la généralisation des clauses miroirs. Je le répète, il doit être interdit désormais d'importer sur notre marché des produits qui ne respectent pas les mêmes normes que celles que nous imposons à nos producteurs. Cela vaut dans tous les domaines et évidemment dans le domaine agricole dont on a beaucoup parlé puisque nous acceptons encore l'entrée sur notre marché de produits, par exemple, qui sont traités avec des pesticides que nous interdisons. Et pour terminer, nous avons aussi une vision politique de notre politique commerciale. Nous pensons que l'Europe doit faire levier du grand marché qui est le sien et de la grande taille de ce marché pour essayer
d'exporter des normes plus ambitieuses en matière environnementale et de droits humains. C'est ce que nous avons porté concrètement ces dernières années avec le règlement qui a interdit l'importation sur le marché européen des produits issus de l'esclavage et du travail forcé, notamment du travail forcé des Ouïghours. Nous avons aussi voté un règlement qui interdit l'importation sur le marché européen des produits qui sont issus de la déforestation dans le monde, donc le maïs, le soja, le cuir, le bœuf. Ça, c'est énorme parce que ça permet concrètement de lutter contre la déforestation de l'Amazonie, contre la déforestation de la forêt de l'Indonésie, par exemple, beaucoup plus peut-être que des traités qui sont conclus dans le cadre de l'ONU, mais après pas appliqués. Là, on a un effet de levier dont il faut se saisir, parce que notre marché, tout le monde veut y accéder, tout le monde veut nous vendre des choses, et donc nous avons un effet de levier majeur pour dire, eh bien, si vous voulez nous vendre vos produits, veillez à vous assurer qu'ils respectent les droits humains et qu'ils ne saccagent pas davantage la nature. Voilà. Merci. Nathalie Loiseau, vous souhaitiez rebondir. Oui, alors j'ai beaucoup de points d'accord avec Chloé Ridel, et on a d'ailleurs beaucoup travaillé avec la délégation de Raphaël Glucksmann sur le devoir de vigilance, sur l'interdiction des produits issus de la déforestation, sur l'interdiction des produits issus du travail forcé. Tout ça, ce sont des vrais progrès. Et effectivement, c'est une capacité de l'Europe à peser par ses normes. Il ne faut pas toujours avoir honte de passer des normes et d'essayer de les étendre à davantage de pays sur la planète. Mais je voudrais revenir sur le CETA. Si on n'est pas capable de passer un accord avec le Canada, disons-nous tout de suite qu'on n'est pas capable de passer un accord du tout, avec qui que ce soit. Et cet accord, il est favorable à la France, aux exportateurs français. Je pense aux exportateurs de vin, de spiritueux, je pense aux exportateurs de produits laitiers. Cet accord, il reconnaît nos indications géographiques protégées. Et s'agissant de l'importation de viande, on importe beaucoup moins du Canada que ce qui est permis par les quotas, pour une raison extrêmement simple, et on le savait depuis le début, c'est que le mode de production de la viande au Canada est très différent du nôtre, et que le marché canadien pour l'exportation, ce sont les États-Unis. Les éleveurs canadiens ne vont pas changer de mode de production et se conformer au nôtre. Donc, ils n'exportent pas vers l'Union européenne. Arrêtons d'agiter les peurs et arrêtons de nous replier, ce qui nous conduit vers du déclin. Nos exportations, ce sont des emplois. C'est de la richesse pour les Français. Et vouloir à tout prix aller à l'encontre des accords de commerce, c'est vouloir aller à l'encontre de secteurs de l'économie française. Kevin Versin, c'est à vous. Oui, merci. Je pense que vous n'allez pas être très surpris par ce que je vais raconter, puisque le groupe que je représente est le seul groupe du Parlement européen à avoir systématiquement voté contre tous les accords de libre-échange au cours de cette mandature, puisque, par exemple, les alliés de M. Olivier au sein du groupe ID, pour prendre que cet exemple, ont voté en faveur de l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Bon, cela étant dit, sur les accords de libre-échange, il faut quand même constater que l'Union européenne est un peu une anomalie internationale. C'est la zone économique qui pratique le plus d'accords de libre-échange, alors que nos principaux partenaires concurrents économiques ne le font pas. Les États-Unis et la Chine ne sont pas des pays qui pratiquent le libre-échange avec la même ampleur que, par exemple, l'Union européenne. Ensuite, je reviens un peu sur une confusion, je pense, qu'a voulu entretenir Madame Loiseau. Dire que nous sommes contre les accords de libre-échange ne veut pas dire que nous sommes contre tout accord commercial. La question qui se pose est quelle production nous voulons maintenir chez nous et est-ce que ça a du sens, par exemple, d'importer du lait de Nouvelle-Zélande alors que nous avons nous-mêmes une filière laitière en France qui est particulièrement bien structurée. De même qu'on peut se poser la question des conséquences des accords de libre-échange. La France est le pays du G7 le plus désindustrialisé avec le Royaume-Uni, en partie à cause de la concurrence et du libre-échangisme. Et nous sommes confrontés à des difficultés lorsque, par exemple, il y a eu la crise du Covid. Lorsque la crise du Covid est venue disrupter l'ensemble des chaînes de valeur mondiale, nous nous sommes retrouvés bien embêtés par le fait que nous n'avions plus aucun moyen de produire les productions essentielles d'un point de vue industriel. Avec lesquels on n'a pas passé d'accord de libre-échange. Mais on peut peut-être avoir la réaction. Vous avez quand même déjà beaucoup parlé, donc laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ensuite, on peut quand même avoir une réflexion stratégique sur le type de production que nous voulons préserver et protéger sur notre territoire national, notamment à l'aune de la crise écologique. Ce qui permet de faire le lien avec le CETA, qui est un traité conclu avant l'accord de Paris et qui a une dimension de protection très faible des objectifs climatiques. Ce qui permet aussi de rebondir avec la question qui a été posée sur le contrôle démocratique. Puisque, bon, Chloé Ridel en a parlé, mais le fait que le gouvernement français, pour la première fois de l'histoire constitutionnelle de la France, décide de ne pas transmettre un texte à l'Assemblée nationale afin d'éviter un vote avant les élections européennes est quand même un scandale.
Ensuite, sur la question du contrôle des parlements, ça rejoint ce que je disais auparavant concernant le contrôle sur l'Ukraine, à savoir qu'il y a un manque d'association des parlements nationaux à l'élaboration du mandat de négociation, au suivi des négociations et au vote final, puisque le vote par les parlements nationaux a été arraché à la Commission européenne lors des discussions sur le CETA. Ensuite, deux autres questions, et je vais essayer de faire vite. Sur les clauses miroirs, moi je veux bien, mais ces clauses miroirs, permettez-moi de dire que ça pourrait être un peu des clauses miroirs aux alouettes. Parce que les clauses miroirs, ça suppose de négocier avec les autres États le fait qu'ils vont appliquer les normes de production européennes. Donc déjà, c'est particulièrement complexe à mettre en œuvre. Et ensuite, qui dit normes, dit contrôle. S'il n'y a pas de contrôle effectif dans les États avec lesquels nous avons des accords commerciaux sur le fait qu'ils respectent effectivement les mêmes normes que l'Union européenne, vous pouvez signer toutes les clauses miroirs que vous voulez. Dans les faits, ça n'aura aucun impact puisqu'il n'y a pas les moyens de contrôler qu'ils les respectent effectivement. Donc la clause miroir n'est pas une clause solution magique qui résoudrait tous les problèmes que posent les accords de libre-échange. Et enfin, dernière question à laquelle je crois personne n'a encore répondu, sur les attaques que les investisseurs peuvent mener contre les États lorsqu'ils ne respectent pas leurs engagements. Ça permet de mettre en avant une bataille qui a été conduite sous ce mandat, notamment par nos députés avec d'autres, sur le traité sur la charte de l'énergie. On verrait des investisseurs privés attaquer des États parce que leur politique en matière climatique et environnementale ne respecterait pas les investissements en matière d'énergie fossile. Donc là, on a un champ de bataille majeur sur le fait que les investisseurs ne peuvent pas dicter la politique, notamment en matière écologique, aux États, au motif du respect des investissements qui ont été conclus auparavant. Merci pour cette intervention. Abdoulaye Diarra, la position des Verts. Alors, plusieurs points sur la question des traités de libre-échange. Je rejoins quelques interventions. Effectivement, l'enjeu, c'est d'arrêter un peu ce fantasme selon lequel le tout marché va tout réguler et que finalement, parce qu'on aurait signé un accord de libre-échange, après tout irait bien et que finalement, ce seraient les seuls États qui n'ont pas signé les accords de libre-échange qui finalement nous feraient concurrence et expliqueraient la situation dans laquelle on est. En fait, l'un des enjeux, notamment quand on regarde ne serait-ce qu'en termes de transition climatique ou de transition sociale, et je prends un exemple très concret, par exemple la question de la fast fashion. En fait, l'un des enjeux sur la fast fashion, c'est pas juste finalement de se dire est-ce que oui ou non on a conclu un accord commercial. Quand globalement on permet en fait d'exploiter des personnes, de vivre du fait qu'on se retrouve avec des salariés qui se retrouvent dans des situations économiquement particulièrement dures et qu'on les met directement en concurrence avec nos industriels, sans aucun respect des règles environnementales, bah effectivement derrière ça a des conséquences très lourdes. Donc l'enjeu qu'on pose, et c'est pour ça que, pour le coup, le groupe Vert s'est opposé à ces traités, c'est tout simplement de dire qu'aujourd'hui, le débat, c'est pas juste est-ce qu'on est pour ou contre les libres marchés, comme si finalement on n'était pas dans une situation de crise où on voyait très concrètement les impacts de la crise climatique et de la crise sociale. L'enjeu, il est de dire qu'aujourd'hui, en fait, penser l'économie, penser la question du marché et penser la question des besoins essentiels de la population, c'est quelque chose de fondamental. On a réussi à le faire dans certains secteurs. Mais je vous prends un autre exemple qui aurait pu être évoqué, c'est la question du logement. Aujourd'hui, par exemple, y a des États qui se font attaquer parce que tout simplement, ils veulent réglementer la question d'Airbnb et le fait qu'effectivement, on se retrouve avec des acteurs qui n'ont pas tout simplement la possibilité de se loger. Tout simplement parce qu'on a l'exemple en France avec la question des Jeux Olympiques. Effectivement, on se retrouve dans des situations où économiquement, des acteurs privés se disent qu'il est plus intéressant de gagner 1 500 € en louant son appartement pendant une semaine plutôt que de finalement le mettre à disposition de personnes qui pourraient réellement en avoir besoin. Et en fait, l'un des enjeux justement de la question des traités de libre-échange, de la question économique, c'est tout simplement quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est finalement le bien commun qui est essentiel et sur lesquels on a besoin de pouvoir avancer. Et par exemple, sur les questions de santé, effectivement, on pouvait se dire que ce n'était pas tout à fait une compétence de l'Union européenne au sens qu'on peut avoir en France. Par contre, on l'a vu pendant la période de pandémie. Bon, après les 3 premières semaines où on s'est amusé chaque jour à tout simplement savoir finalement quel État avait volé quel masque à son voisin, parce qu'après tout, on n'avait pas assez de masques. Donc pendant plusieurs semaines, on a découvert que le vol de masques, finalement, quand c'est entre États, c'est autorisé. Alors évidemment, on va vous déconseiller d'aller voler dans les magasins parce que là, vous pourrez aller en prison. Mais finalement, quand la France volait les masques à ses voisins, c'était de la protection nationale. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au niveau européen, effectivement, penser la question de la santé, de la coordination, c'était quelque chose de fondamental et que la santé n'était pas un marché comme un autre. Et donc, on a besoin, sur certains secteurs, sur certains éléments, de se dire qu'effectivement, sur les questions sociales, sur les questions climatiques, face à l'urgence qui est face à nous, en fait, on ne peut pas juste demander aux entreprises de s'autoréguler. Et je vous prends un dernier petit exemple, c'est tout simplement, par exemple, le cas de Total, mais j'aurais pu d'autres.
Mais en fait, très souvent, ce qu'on voit, c'est que les industriels, quand ils se rendent compte qu'ils créent des problèmes, bah, ils fabriquent le doute. Total s'est rendu compte la première qu'effectivement, son impact, c'était tout simplement une crise climatique. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a financé le doute. Elle a financé des travaux de recherche pour remettre en cause des scientifiques. Elle a financé finalement le fait de dire que la crise climatique, c'était pas si grave. Et c'est quand finalement, bah, nous, en tant qu'activistes, membres de la société civile, bah, on a réussi à mettre les choses sur le devant de la scène, qu'elle a finalement dit, bah, ok, je vais peut-être essayer un tout petit peu d'investir dans les énergies renouvelables, mais finalement, je veux continuer comme avant. Donc l'un des enjeux qu'on a au niveau de l'Union européenne, c'est tout simplement de se dire qu'en fait, le marché, il ne s'autorégule pas, qu'on a des priorités en termes de transition climatique et sociale, en termes de santé, et qu'en fait, l'Union européenne, elle doit y répondre, et que pour le coup, l'enjeu, c'est pas de savoir finalement est-ce que l'État français ou l'Union européenne se ferait concurrence, c'est à quel échelon on est le plus compétent pour pouvoir faire face, et donc à l'échelon européen, on a des compétences, et on a un rôle particulier pour pouvoir changer l'économie, et il n'est pas en contradiction avec le rôle des États membres. Merci beaucoup. On va maintenant prendre trois dernières questions et on va changer un petit peu de thème. Donc une question de la délégation française du CESE européen de la part de Christophe Lefebvre. Voilà, alors je ne sais pas si on va changer de thème parce que quand on intervient en bout de course, on risque de d'effleurer des sujets qui ont déjà été un peu abordés. L'Union européenne est un acteur de taille en matière économique, mais aussi un acteur politique mondial à faible impact. Et face à l'interventionnisme et au dumping chinois, à l'agressivité russe et au protectionnisme américain, la soft law, le droit souple européen, ne suffit plus. Le Covid a mis en lumière notre dépendance dans les chaînes d'approvisionnement. L'agression russe en Ukraine nous montre que le parapluie américain ne suffit plus. Quelles sont les mesures concrètes pour assurer l'autonomie stratégique européenne dans toutes ces dimensions ? Voilà la question posée. Effectivement, on reste bien dans ce thème. Une autre question de Dominique Gillot, de la délégation française du Comité économique et social européen. C'est là, pardon. Merci. Alors moi, je vais changer un petit peu de sujet, mais c'est pour s'intéresser aux citoyens européens. Parce qu'à l'approche de ces élections européennes, un des sujets essentiels, c'est bien la participation des électeurs, l'appropriation de l'Europe par les citoyens de toutes sortes et de toutes origines. La conscience que l'Europe est un atout pour le respect des droits fondamentaux, pour l'avenir, pour la sécurité commune, est un atout et un rempart démocratique face à toutes les attaques venant des ennemis de la paix et du progrès partagé, nous mobilise et nous oblige à parler d'Europe, à défendre la démocratie. C'est au cœur de la stratégie 2023-2025 du CESE européen sous l'impulsion de son président Olivier Röpke. Cette stratégie passe par l'affirmation de la mobilisation de toutes les jeunesses et la mise en place du test Jung. Elle passe aussi par une recherche accrue de la parole des personnes discriminées, invisibles, oppressées, minorées, des personnes handicapées, des personnes vieilles, impécunieuses, ignorées et éloignées des centres de débat et de décision. Le CESE, creuset du dialogue au sein de la société civile organisée, alimente par ses avis les décisions de la Commission européenne et du Parlement européen. Le CESE recherche donc un élargissement de cette représentation légitime de la société civile organisée à travers la reconnaissance institutionnelle du dialogue civil en complémentarité du dialogue social, des conférences et des panels de citoyens sur lesquels les dialogues politiques doivent s'appuyer s'ils veulent réellement respecter les peuples et leurs aspirations. Que pensez-vous de cette initiative pour que l'Europe devienne le moteur de l'accessibilité aux droits des personnes discriminées, le moteur de l'exemple de l'affirmation, le moteur et l'exemple de l'affirmation des droits éthiques et de la protection des plus faibles, des plus exposés à l'exclusion, enfin, l'espace d'émancipation et de considération des citoyens en risque permanent de discrimination. Merci pour votre question. Une dernière question d'un membre du CESER, Jean-François Benhamza, s'il vous plaît. Bonjour, merci.
Alors, on a vu le thème, l'Europe dans le monde. Moi, je vais essayer de vous parler d'une Europe de l'autre côté du monde. Je vais vous parler de la Polynésie française. Et pour essayer d'expliquer mon propos, c'est simple. Pour ceux qui ne connaissent pas ce beau pays, vous imaginez la Corse. Elle est pulvérisée en 119 îles, îlots et atolls et dispersée sur 5 millions de kilomètres carrés. Et ça vous donne une surface comme l'Europe, qui en fait est un continent liquide. Alors forcément, on a des spécificités. Et dans les spécificités que nous avons, c'est cette distance en plein milieu de l'océan. Pour vous donner un exemple précis, la distance entre Tahiti et les îles Marquises, c'est l'équivalent de Paris-Stockholm. Alors forcément, on nous parle d'empreinte carbone et on nous dit « vous êtes des mauvais élèves ». Mais moi, j'ai du mal à demander à un marquisien de prendre une pirogue, de se transformer en Gérard d'Abbeville et de faire 2000 km à la rame pour essayer de limiter son empreinte carbone. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que les aides de l'Europe sont souvent, très souvent, elles nous demandent très souvent de prouver qu'on est de bons élèves de ce côté-là. Alors, vous allez nous dire, on a l'habitude, on sait que les gens des Outre-mer, on va dire, sont des enfants un peu capricieux, pour ne pas dire des enfants terribles, parce qu'effectivement, ils ont des spécificités, ils n'arrêtent pas de les mettre en avant, mais c'est important pour nous, parce qu'on veut aussi prendre le train des aides au développement, et souvent, la complexité des dossiers et les choses que l'on nous demande sont complètement incompatibles avec ce que l'on vit au quotidien. Donc, ma question est simple. Est-ce que, selon vous, vous pensez que vous pouvez être en capacité de mettre en place une sorte de géométrie variable dans les demandes qui sont faites dans le cadre des aides, de façon à permettre aux gens de l'autre côté de la Terre, qui sont quand même dans une zone Asie-Pacifique, qui est le seul endroit où il y a un pays francophone, on a donc Wallis et Futuna, c'est tout petit, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu compliqué, la Polynésie française, et ce sont les seuls alliés de l'Europe de ce côté-là. Puisque, vous le savez, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, avec l'Union Jack, ont prêté allégeance à l'Angleterre. Et du coup, avec le Brexit, ça va être compliqué de dialoguer avec eux. Alors, est-ce que vous êtes en capacité de mettre en place des moyens qui nous permettent de nous développer? Sinon, j'ai bien peur que dans les années qui viennent, les Polynésiens se sentiront comme des... Au lieu de se sentir comme des Européens à part entière, ils vont vraiment se sentir comme des Européens entièrement à part. Merci. Merci pour ces trois questions différentes. Nathalie Loiseau, je vous laisse répondre 2 minutes chacun et puis ensuite ce sera le temps de la conclusion également avec 2 minutes chacun. Merci. Alors tout d'abord sur l'autonomie stratégique, vous avez entendu dans mon intervention introductive que c'était un élément majeur que l'état du monde nous impose de renforcer, que ce soit parce que des États autoritaires, la Russie, nous livrent un chantage. Le chantage énergétique de la Russie avait précédé la guerre d'Ukraine et ça n'était pas un hasard. Nous avons réussi à nous sortir presque entièrement, de notre dépendance aux hydrocarbures russes et nous devons arriver à le faire entièrement et c'est bien notre volonté. Ça signifie que nous devons être capables d'avancer sur le plan énergétique avec les deux atouts que nous avons, les renouvelables et le nucléaire, pas l'un sans l'autre. En matière de santé, ça a été dit tout à l'heure et je le partage, nous avons mesuré nos dépendances à des pays avec lesquels nous n'avions pas passé d'accord de commerce, la Chine et l'Inde, au moment du Covid. Et nous avons besoin de ramener la production à la fois de molécules très simples, mais aussi l'innovation en matière pharmaceutique sur le continent européen avec une vraie stratégie pharmaceutique dont on attend avec impatience qu'elle soit adoptée en matière de défense. J'ai une réponse extrêmement simple, c'est la préférence européenne. On appellerait ça en bon anglais le Buy European Act, de mettre l'argent des Européens que au profit du développement d'industries européennes et pas pour le reste du monde. Sur la question de la participation, de l'inclusivité, madame, puisque c'était un peu votre question, alors moi j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec le Conseil économique et social européen, notamment dans les relations avec le Royaume-Uni. C'est un apport extrêmement précieux à nos débats et à nos prises de décision. Sur la question de la protection des individus contre les discriminations,
Je fais partie de ceux, et mon groupe politique a fortement poussé pour qu'au moment du plan de relance, on conditionne le versement des fonds européens au respect de l'état de droit dans tous les pays de l'Union européenne. Alors je sais que certains ici ne sont pas d'accord, parce que leurs alliés, ce sont ceux qui ne respectent pas l'état de droit, c'est-à-dire la Hongrie de Viktor Orban, qui précisément discrimine les minorités, quelles que soient ces minorités. Mais on ne peut pas se dire membre de la même famille européenne, adhérer aux valeurs fondamentales de l'Union européenne et laisser des pays de l'Union européenne dériver, en particulier quand on a une attitude exigeante et à juste titre vis-à-vis des pays qui sont candidats. Les droits des Européens doivent être les mêmes pour tous au travers de l'Union européenne. C'est pour ça aussi, par exemple, que nous portons l'idée d'inscrire la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la charte des droits fondamentaux des Européens. La question des ce qu'on appelle dans le jargon européen, et Dieu sait si c'est les PTOM, donc vous avez parlé de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, vous n'avez pas cité les terres antarctiques françaises qui en font aussi partie, mais qui sont quand même moins habitées, j'en suis d'accord. Dans la délégation à laquelle j'appartiens, nous avons la chance d'avoir deux excellents députés européens ultramarins qui nous incitent au quotidien à avoir un réflexe outre-mer. C'est-à-dire nous demander en permanence comment nous pouvons valoriser la chance que nous avons d'avoir des territoires sur tous les continents et comment nous pouvons en effet adapter les réglementations européennes aux spécificités. Vous avez parlé des distances et du transport, en particulier du transport aérien. Je pourrais parler aussi des questions énergétiques, dans la mesure où il y a beaucoup de rattrapage à faire, notamment pour bénéficier des énergies renouvelables dans ces territoires, qui malheureusement sont, de ce point de vue-là, en retard. Donc des investissements à faciliter. Des questions de pêche aussi, et nous sommes heureux d'avoir pu contribuer au renouvellement des flottes de pêche des territoires ultramarins. La décision a été prise hier. Mais attention aussi à garder à l'esprit que ce sont ces territoires qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Et on ne peut pas tourner le dos à toutes les réglementations que nous avons passées. Et j'assume avec beaucoup de fierté le pacte vert et sans aucune envie de m'en excuser, parce que nous sommes confrontés à un changement majeur contre lequel il faut protéger nos populations en métropole, mais aussi à l'autre bout du monde. Merci. Philippe Olivier. Oui, merci. Alors, sur l'autonomie stratégique, je crois que c'est une vraie question, parce que d'abord, l'Union européenne, telle qu'elle procède aujourd'hui, crée un certain nombre de nouvelles dépendances. Je vais prendre un exemple. En ayant tout misé sur la filière électrique, le tout électrique, on se met sous la dépendance chinoise. Et donc, je ne sais pas si on gagne au champ entre les Russes et les Chinois. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut aller vers la puissance de nos pays. Pourquoi je dis la puissance de nos pays ? Parce que je ne crois pas que, historiquement, l'Europe ait amené de la puissance en elle-même. Ce sont les nations européennes qui ont amené de la puissance à l'Europe. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, que je ne confonds pas avec l'Europe, l'Union européenne puise la puissance des nations pour la neutraliser. Je vais prendre un exemple. C'est l'exemple du pacte vert. Le pacte vert, il part du principe que... Alors, ça fait choquer beaucoup de monde ici, mais tant pis. Il part du principe que l'homme est un prédateur, que des autres espèces, que l'homme est un oppresseur de la nature et que, par voie de conséquence, son activité doit être réduite. Et ma voisine dit que c'est vrai. Donc, vous voyez bien que je suis exactement... je décris exactement la logique qui prévaut au Parlement européen. Et partant de ce constat-là, l'Union européenne s'est engagée dans une logique de décroissance. Alors, décroissance énergétique avec des entraves au nucléaire, par exemple, alors que c'est une énergie décarbonée. Décroissance industrielle avec la fin des moteurs thermiques, c'est-à-dire la fin, en tout cas, un sérieux coût à notre industrie automobile. La décroissance agricole, avec des textes comme « Restaurer la nature » qui prévoit une diminution des surfaces et une diminution des rendements, et la décroissance en matière d'élevage, à l'image de ce qui se passe en Hollande,
qui provoque en Hollande une véritable révolution, non seulement agricole, mais politique. Et le gouvernement de hollandais a été balayé. Et Frank Timmermans, qui était le promoteur en Europe de cette politique, a été sèchement battu aux élections. Donc moi, je crois qu'il faut rompre avec ça, qu'il faut aller vers le progrès. Et c'est curieux de voir des progressistes qui ne croient pas en la science, qu'il faut aller vers l'avant et promouvoir par le biais des nations les outils de la puissance. S'agissant de la question extrêmement militante qui nous a été posée sur les sociétés civiles, je ne crois pas que l'Union européenne ait de reproches à se faire sur la protection des personnes, et c'est très bien. Je dirais simplement qu'en ce qui concerne la démocratie, bien sûr qu'il faut une société civile organisée, et l'Union européenne nous en donne l'illustration en permanence, notamment avec des panels. Alors, des panels dont on ne peut pas savoir comment ils ont été choisis. Moi, je crois dans le peuple, je crois dans la démocratie, je crois dans la décision des gens qui, un dimanche, vont déposer un bulletin dans l'urne et exprimer un choix. Je remarque que l'Union européenne fait fi de ces électeurs-là, de ces décisions-là, de ces décisions démocratiques. C'est évidemment, on a tous en mémoire le référendum de 2005, mais c'est aussi, en ce qui concerne la démocratie parlementaire, le CETA. Le CETA, où les parlementaires français s'apprêtent à ne pas ratifier l'accord, non seulement l'accord reste applicable, mais vraisemblablement, on ne notifiera pas la décision du Parlement. Dernier point à la Polynésie française, ce sont les régions périphériques auxquelles nous sommes très attachés. Nous avons des députés qui travaillent exclusivement sur ces questions-là. D'abord, la question de l'accès à l'aide avec la bureaucratie. Et puis, nous avons fait des propositions, et je ne développerai pas parce que nous n'avons pas le temps, mais notamment sur la valorisation de l'or bleu, qui est évidemment la très grande richesse de la Polynésie. Et l'Union européenne, qui aurait là matière à une vraie coopération internationale, eh bien, est totalement absente. Merci. Chloé Ridel. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord revenir sur ce que vous avez dit, parce que évidemment que l'homme oppresse la nature. 75% aujourd'hui des écosystèmes terrestres sont menacés du fait de l'activité humaine. On a un taux d'extinction des espèces qui est 100 à 1000 fois supérieur à ce que ont connu toutes les autres ères géologiques que la Terre a traversées. Donc ça n'est pas par l'œuvre du Saint-Esprit que les espèces animales et végétales disparaissent, mais bien par l'activité humaine, et je crois que c'est quand même important de le rappeler. Sur les mesures concrètes que l'Union européenne doit prendre pour assurer son autonomie stratégique, nous préférons nous parler de souveraineté de l'Europe en matière énergétique, en matière alimentaire, en matière industrielle et sanitaire. Je pense que là où nous parlions de l'Europe des quatre libertés au début des années 90, au moment du traité de Maastricht, qui a incarné la vision de l'Europe libérale et qui s'est impuissantée elle-même, aujourd'hui, il faudrait parler de l'Europe des quatre solidarités en matière de défense, de santé, d'agriculture et d'industrie. Parce que pour construire son autonomie stratégique, l'Europe doit favoriser la solidarité et la convergence. C'est vrai en matière de défense. Nous voulons construire une Europe de la défense. Et cela, c'est possible parce qu'en réalité, quand on cumule les budgets militaires de l'ensemble des nations européennes, on arrive à peu près autour de 300 milliards d'euros par an. C'est plus que la Chine. C'est moins que les États-Unis qui, eux, sont très loin devant à 800 milliards par an dépensés sur la question militaire. Mais tout de même, nous sommes deuxième puissance militaire à l'échelle mondiale, pourvu que nous coordonnions davantage nos armées, que nous achetions européens, ça c'est évident, et que nous développions notre capacité industrielle pour construire les armes dont nous avons besoin, et qu'ensuite nous favorisions la coordination sur le plan opérationnel. C'est à ce prix que nous saurons nous passer de la mainmise des États-Unis sur notre sécurité, qui fait que l'Europe, effectivement, n'a pas d'autonomie stratégique, notamment quand il s'agit de voter à l'ONU. Je vous rappelle que, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un tiers des pays européens, notamment les pays baltes, la Roumanie, tous les pays qui dépendent des États-Unis pour leur sécurité, se sont, par exemple, opposés, ont voté contre un cessez-le-feu à Gaza. Et ça, c'est juste une simple illustration
de la mainmise et de l'influence des États-Unis sur ces pays-là, tout simplement parce que ces pays-là n'ont pas le moyen d'assurer leur propre sécurité en dehors de la tutelle américaine. L'autonomie stratégique européenne, c'est aussi l'industrie, la capacité à relocaliser la production de ce dont nous avons besoin, notamment pour faire l'écologie, parce que l'écologie, ça ne se décrète pas, ça se finance et ça se fabrique. Il faut qu'on fabrique des énergies renouvelables, des panneaux solaires, des pales d'éoliennes, des voitures électriques. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tous ces produits dont nous avons besoin pour faire l'écologie en Europe, nous les importons de Chine. L'écologie européenne ne peut pas être « made in China ». Nous avons besoin de relocaliser la production de panneaux solaires que nous importons actuellement à 75% de Chine, où ils sont produits au charbon, puisque 75% de l'électricité chinoise provient du charbon. Donc tout ça est une absurdité. Et donc il y a ce renouveau industriel à mettre en œuvre, non seulement pour l'écologie, mais aussi pour la santé. Le Covid, la pandémie de Covid nous a montré que nous manquions de médicaments, que 90% des principes actifs de nos médicaments étaient produits en Chine et en Inde, que nous manquions de masques, de matériel médical. Et donc il est urgent de relocaliser notamment cette industrie de santé. Je pourrais continuer aussi sur notre autonomie stratégique alimentaire, mais je veux aussi conserver du temps de parole pour les autres questions, notamment la question sur la citoyenneté européenne, la place de la société civile à Bruxelles. Pour être très concret, je pense qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne. Nous en avons lancé une, nous, socialistes européens, dans le cadre de cette élection, pour taxer les grandes fortunes à l'échelle européenne pour financer la bifurcation écologique. C'est une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Tax the Rich. Vous avez un site taxtherich.eu, vous pouvez aller signer. Et si nous récoltons 1 million de signatures, la Commission européenne sera obligée de mettre sur la table cette taxe sur les grandes fortunes. Et donc c'est une proposition que nous portons notamment avec Paul Magnette, le président du Parti socialiste belge, et l'ensemble des partis socialistes européens. Et cette initiative vient d'être soutenue aujourd'hui par la CFDT et nous nous en félicitons. Évidemment, il faut qu'on puisse faciliter le déclenchement de ces initiatives citoyennes européennes, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué de les mettre en œuvre. Il faut qu'on puisse aussi mieux financer la société civile organisée. Je pense à des tas d'initiatives autour de moi que je vois qui ont du mal à accéder à des financements. Mais tout le mal du monde. Alors que je pense par exemple à la fondation toute jeune qui s'appelle Multitude, qui est chapeautée par Sarah Durieux et qui voudrait faire advenir plus de diversité justement en politique, faire que les publics éloignés de la politique y accèdent et nous représentent. Elle a le plus grand mal à se financer. Et donc il faudrait qu'il y ait un budget alloué aux initiatives de la société civile qui s'inscrivent aussi dans une logique européenne, et ça me fait penser aux activistes climat. C'est un exemple que je prends souvent. Dans chaque pays européen aujourd'hui, vous avez des jeunes gens et surtout des jeunes femmes qui portent les questions climatiques. On a Camille Etienne en France, en Allemagne vous avez Luisanne Bauer, vous avez en Suède Greta Thunberg, etc. Et toutes ces jeunes femmes ont l'habitude de se retrouver pour mener des actions communes, et elles ne sont pas financées. Et elles ont du mal à se financer. Pourtant, elles font un travail utile. Pourquoi ne pourrait-on pas financer une plateforme qui leur permette de continuer à porter leurs actions qui ont un intérêt, me semble-t-il, pour l'Europe, et justement qui permettent aussi de surpasser les clivages nationaux, parce qu'elles essaient vraiment de se coordonner à l'échelle européenne. Et je crois que ça mérite financement européen. Et puis pour finir sur les Outre-mer, merci beaucoup monsieur de soulever cette question. La Polynésie française fait partie de ce qu'on appelle en langage technocratique européen un pays et territoire d'outre-mer, donc elle ne fait pas a priori partie de l'Union européenne. Pour autant, ses habitants ont un passeport européen, sont des citoyens européens. Et ce que vous disiez sur la question du transport, c'est évidemment un défi, mais nous pourrions penser à développer davantage les transports décarbonés, notamment des bateaux à l'hydrogène. La technologie n'est pas encore mature, mais si nous ne la finançons pas et si nous ne finançons pas la recherche sur les bateaux à hydrogène, nous n'y arriverons pas. Nous pouvons aussi rendre plus visible pour précisément ces territoires comme la Polynésie française, est plus facile l'accès aux programmes de financement européens. Parce qu'aujourd'hui, c'est un casse-tête. On ne sait pas vraiment ce à quoi on a le droit. Je crois que vous avez accès à 3 programmes, Erasmus, Life et Horizon.
mais qu'en fait, il n'y a pas vraiment de visibilité sur ce à quoi vous pouvez prétendre. Et puis ensuite, pour monter le dossier, je ne vous raconte pas l'enfer. Donc je partage cette préoccupation et je crois que la dimension simplification et visibilité pour vous doit être centrale dans notre action. Merci beaucoup. Kevin Versin, c'est à vous. Oui. Merci. Alors d'abord, sur autonomie stratégique, je vais prendre deux exemples. Autonomie stratégique en matière d'énergie, notamment de dépendance aux énergies fossiles, puisque c'est vrai, nous nous sommes rendus moins dépendants de la Russie, mais nous sommes rendus davantage dépendants du gaz azéri, davantage du pétrole qui est raffiné en Inde, qui sert à raffiner du pétrole que l'Inde importe de Russie, ce qui est une porte de contournement des sanctions par la Russie. De même que nous sommes rendus très dépendants du gaz naturel liquéfié des États-Unis et du Qatar, et que nous sommes du coup à la merci du bon vouloir de ces États en matière d'approvisionnement énergétique. Donc un chantier prioritaire serait de sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible au niveau de l'Union européenne pour réduire notre dépendance en la matière. Ensuite, un autre exemple que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner lors d'un précédent tour de parole sur, par exemple, les semi-conducteurs. C'est très bien que l'Union européenne se fixe des objectifs pour réduire sa dépendance, mais nous sommes confrontés à deux problèmes. Premièrement, un manque de moyens et ensuite un problème dans la gouvernance. Manque de moyens, je le disais, on a mobilisé 90 milliards d'investissements pour localiser la production de semi-conducteurs. C'est 300 milliards du côté des États-Unis, alors qu'on a le même objectif de 20% de semi-conducteurs produits par l'un et l'autre des deux zones. Donc il y a un manque d'argent mis sur la table. Et ensuite, problème de gouvernance, c'est que l'Union européenne, trop souvent, repose sur un fonctionnement, on va dire, de partenariat public-privé avec les alliances industrielles, où en gros, le privé dicte et l'argent public est mis sur la table sans qu'il y ait un véritable pilotage de la part de la puissance publique et notamment des conditionnalités aux aides que les États peuvent verser envers ces entreprises en matière de résultats et de respect de la législation sociale et environnementale. Ensuite, sur la question des droits humains. Je le disais dans mon propos préalable, pour nous, l'Union européenne doit être la voie du droit international et notamment du droit international en matière de droits humains. Donc l'Union européenne a un rôle au niveau international à la matière. C'est pour ça que, par exemple, l'adoption de la directive sur le devoir de vigilance est un outil très puissant pour que l'Union européenne promeuve le standard de protection des droits humains le plus élevé à l'échelle internationale. Cela étant, l'Union européenne a encore beaucoup de progrès à faire elle-même dans son respect des droits humains. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, sur les personnes en situation de handicap. Quand vous regardez les débats au Parlement européen, une personne sourde ou malentendante ne peut pas suivre les débats parce qu'il n'y a pas d'interprétation en langue des signes. Ça serait par exemple un chantier où je pense que le futur Parlement européen pourrait avancer très largement. Ensuite, en matière de protection des droits des femmes, nous avons remporté une belle victoire en France avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution. J'espère que le prochain Parlement européen pourra porter l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De même que nous espérons que le futur Parlement européen avancera sur le chantier de la clause de l'européenne la plus protégée pour s'assurer qu'on aille vers une Europe du mieux-disant en permanence en matière de protection des droits humains. Et dernier chantier sur les droits humains, la question des droits des personnes LGBTI qui ont été régulièrement attaquées par plusieurs États de l'Union européenne, par la Hongrie de Viktor Orban, par le précédent gouvernement polonais et les collectivités territoriales avec les infâmes zones libres de personnes LGBT. Et du coup, il y a un véritable chantier en matière de protection de ces droits qui a mené pour la prochaine mandature du Parlement européen. Ensuite, sur la question des pays et territoires d'outre-mer, c'est une question à laquelle mon groupe est très sensible, puisque c'est le groupe de la gauche au Parlement européen qui préside la commission Régie au Parlement européen, en la personne d'un réunionnais, Younous Omarji. Donc nous sommes tout particulièrement sensibles à cette question. Sur cela, on se heurte à un horrible, je tiens à le dire comme ça, eurocentrisme de la part des politiques européennes, qui se traduit ne serait-ce que par le titre de « région ultra-périphérique », qui renvoie du coup ça aux marges, et du coup marges et préoccupations, et c'est illustré lors par exemple des discussions sur la réforme du système d'échange de quotas d'émissions, avec le fait d'inclure les émissions liées au transport entre les territoires d'outre-mer et le continent européen. Donc sur ça, nous ce que nous promouvons c'est un changement radical de paradigme, c'est-à-dire ne plus considérer ces territoires et pays comme des territoires périphériques, mais comme des territoires d'avant-garde parce qu'ils sont la fenêtre d'ouverture de l'Europe vers les autres continents. C'est pour ça qu'il faut favoriser davantage l'intégration de ces pays et territoires avec leur voisinage immédiat, surtout pour avancer vers les chantiers cruciaux de l'autonomie en matière alimentaire, d'autonomie en matière énergétique. Et pour cela, il y a une bataille absolue à mener pour la préservation et la hausse des fonds de cohésion et le maintien du POSEI, qui ont été des batailles que nous avons conduites au cours de cette mandature en la personne de Younous Omarji et que nous continuerons à mener au cours du prochain mandat. Merci. Et enfin, Abdoulaye Diarra. Merci. Alors, déjà sur la question de la citoyenneté et comment l'Europe est au service des citoyens.
En fait, l'un des gros enjeux, et on le voit, et le taux d'abstention est particulièrement significatif, c'est qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens qui finalement se disent, en fait, l'Europe, ça va changer quoi dans ma vie, si ce n'est négativement. Parce qu'on peut se le dire, en fait, on a un peu une tradition française, c'est que quand il y a un problème, c'est la faute de l'Europe, et quand ça va bien, c'est parce que le chef de l'État a voulu faire en sorte que la France soit grande et que l'Europe soit encore plus grande. Et je prends un exemple sur la loi travail, sur les retraites. On nous a expliqué que c'est l'Union européenne, finalement, qui nous imposait, parce que vous comprenez, avec toutes les normes, effectivement, il fallait avancer. Mais en réalité, on peut effectivement chercher les petits papiers où il y a écrit ça, parce qu'il n'existe pas. La réalité, c'est qu'en fait, l'un des gros enjeux qu'on a, et ça rejoint le débat sur la question démocratique, c'est comment on rend transparent le fonctionnement de l'Union européenne et tout simplement toutes les réalités quotidiennes qu'aujourd'hui on est en capacité d'avoir, on est en capacité de se battre positivement grâce à l'Union européenne. On peut parler des questions climatiques où en réalité, la plupart des normes qui s'imposent aujourd'hui à la France sont décidées au niveau européen, plus qu'une volonté française d'aller encore plus loin en tant que telle que l'Union européenne. Et ça nous aura valu, de la part du chef de l'État, le concept de pause environnementale ou de pause réglementaire pour dire finalement, on en avait assez des réglementations européennes, qu'il fallait finalement se laisser du temps. Et l'un des enjeux, justement, c'est au contraire de dire qu'à travers l'Europe, ben en fait, on peut répondre aux problématiques très concrètes des citoyens. Et je vous prends une petite illustration que j'aime beaucoup, la mienne, parce que j'aime beaucoup parler de moi. Ben moi, qui viens d'un milieu modeste, d'un HLM, ben effectivement, quand la première fois on m'a parlé de l'Union européenne et que j'ai dû aller voter, ben effectivement, je me suis dit, quel est le lien ? Mais en réalité, quand on regarde, que ce soit sur la question aujourd'hui des rénovations d'appartements, quand on regarde sur la question tout simplement de l'économie sociale et solidaire, les entreprises aujourd'hui qui bénéficient de financements européens, bon, on a une capacité très concrète à revoir l'économie et à répondre très concrètement à des problématiques de citoyens qui se sentent éloignés de la politique et éloignés en tout cas de l'Union européenne. Et ça rejoint le débat sur la question de la discrimination parce que, alors je suis obligé de faire le pont avec la question des outre-mer parce qu'il faut bien se l'admettre, il y a des situations en Outre-mer qu'on n'accepterait pas en métropole, pour dire les choses très poliment. Quand on est dans certains territoires d'Outre-mer, à devoir travailler dans un hôpital qui est en partie brûlé et qui n'a toujours pas été rénové, effectivement, en métropole, on ne l'accepterait pas et on ne pourrait pas vivre avec. Effectivement, quand je vous ai parlé tout à l'heure des Pyrénées-Orientales, il y avait des difficultés d'accès à l'eau, où ce qu'on trouve révoltant, ben, en réalité, quand on regarde notamment sur les Outre-mer, alors là, c'est plus récent, d'où le fait que je vous en ai parlé, mais ça arrive régulièrement dans certains territoires où il y a des problèmes d'accès à l'eau potable et où, effectivement, on conseille à des populations, finalement, faire attention avec l'eau du robinet, de la réchauffer parce qu'elle n'est pas toujours potable. Mais en fait, la question aujourd'hui de comment on pense les Outre-mer et leur place dans l'Union européenne, elle est centrale parce qu'aujourd'hui, elle traduit aussi notre vision franco-française des Outre-mer qui consiste finalement à dire qu'on regarde après les autres, que finalement ça coûte cher et que finalement, si ce n'est pour des enjeux de rentabilité, quitte à des fois utiliser des produits qu'on n'accepterait pas en métropole, bah finalement on fait avec. Et je finis sur un dernier point général sur la question des discriminations. Effectivement, l'un des gros enjeux qu'on a en plus au niveau européen, c'est qu'on pose la question de la lutte contre les discriminations comme un enjeu de valeur. En fait, lutter contre les discriminations, oui, c'est une question de valeur humaine, citoyenne, internationaliste, mais ce n'est pas qu'une question de valeur. C'est une question de quotidien. Quand effectivement, des personnes LGBT ont des difficultés de pouvoir tout simplement vivre dans leur territoire, bah, c'est quelque chose de très concret. Ce n'est pas juste un enjeu de valeur. Quand effectivement, aujourd'hui, la France, elle continue à être condamnée, par exemple sur la question des violences policières, ben effectivement, ce n'est pas un enjeu de valeur, c'est un enjeu de quotidien. Ça fait que des personnes, effectivement, elles comprennent que ben, la France leur dit que finalement, c'est des citoyens de seconde zone. Ben, l'enjeu qu'on a aujourd'hui au niveau européen, c'est de dire qu'on arrête de juste poser la question des discriminations comme un sujet de valeur, comme un texte, mais que sur l'ensemble des éléments, dans le concret, ben, effectivement, on se prononce. Et effectivement, on a parlé de la question des droits fondamentaux et tout simplement de l'inscription de l'IVG. Ben, je vous prends un exemple très concret. Par exemple, sur la question du viol, on aurait aimé que la position de la France au niveau international, au niveau européen, ce soit de définir effectivement ce crime et tout simplement de se battre pour qu'aussi au niveau européen, on soit cohérent sur les questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Merci. On arrive à la fin de cette séquence. Je vais donc demander à chacun d'entre vous un mot pour conclure très brièvement. Nathalie Loiseau, je vous laisse la parole. Merci. On l'a vu dans toute la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Depuis 5 ans, on n'a jamais eu autant besoin de l'Union européenne pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés.
Il y a 5 ans, je conduisais une liste et nous avions promis de proposer un pacte vert pour la transition écologique. Nous l'avons fait. Nous avions promis une régulation des grandes plateformes du numérique, parce que ça aussi, c'est le reste du monde, et nous l'avons fait. Nous avions promis une approche à la fois ferme et digne de la question migratoire, et nous sommes sur le point de le faire. Et puis, entre-temps, nous avons été confrontés à des crises que nous n'avions pas vu venir, que ce soit la pandémie de Covid ou la guerre d'agression russe en Ukraine. À chaque fois, l'Europe a été au rendez-vous. Nous avons été le continent le mieux protégé sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan social pendant la pandémie de Covid. Et nous sommes au rendez-vous de l'aide à l'Ukraine, un pays qui est menacé au moment où nous-mêmes, nous sommes menacés par des ingérences étrangères dans nos démocraties et peut-être même dans ces élections européennes qui se préparent. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut une Europe encore plus puissante au service des nations européennes, au service des citoyens européens, pour préserver et promouvoir notre modèle de prospérité, de solidarité et de liberté. Merci Philippe Olivier. Un mot de conclusion également. Oui, on voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution que l'Union européenne, que c'est le seul mode de construction d'une coopération européenne. Or, il y a d'autres solutions. Et penser qu'il y a d'autres solutions, c'est de penser la démocratie. Parce que s'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de démocratie. Moi, ici, je suis un opposant. Je suis un opposant à l'Union européenne, mais je suis profondément européen. Je crois qu'on peut concevoir une autre conception de l'Europe, une conception qui respecte les peuples, qui respecte les gens, qui respecte le monde et qui ne donne pas de leçons de morale. Nous avons une entité qui est en train de se construire, qui est en train d'écraser les nations, d'écraser nos nations. Et ce qui se pose aujourd'hui, et pour ce scrutin du 9 juin, c'est de savoir si la France va continuer à exister. Car le rapport Verhofstadt, ou tout autre rapport, notamment en matière de défense, et j'en ai parlé en matière de diplomatie, auront pour effet d'effacer la France sur la scène internationale. Et les débats que nous avons ici entre Français disparaîtront, n'auront plus d'intérêt, parce que tout sera décidé ailleurs. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autres gens qui défendent mieux les intérêts que les Français. Je vous remercie. Chloé Ridel, le mot de la fin pour vous. Merci beaucoup déjà, merci à vous d'être resté pour ce débat qui a été long, mais je crois important. Ce que nous disons, c'est que les élections européennes du 9 juin prochain, elles sont historiques. Elles se déroulent dans un moment particulier de l'histoire du monde et de l'histoire de l'Europe. Et jamais un scrutin européen n'aura eu des enjeux aussi cruciaux pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de notre démocratie. Alors, je suis d'accord avec le monsieur du Rassemblement national à côté de moi, il faut construire une autre Europe. Mais certainement pas une autre Europe qui conduit en fait à désintégrer notre autonomie, à revenir sur le progrès écologique, à revenir sur le droit des femmes, à se barricader, à stigmatiser les étrangers, les musulmans, à être dans la haine et dans le rejet, puisque ça n'est certainement pas de ça dont l'Europe a besoin aujourd'hui. C'est au contraire de devenir une puissance politique, une puissance écologique, de faire respecter la démocratie, les droits humains, de protéger son marché, de montrer qu'elle est capable de créer et d'apporter du progrès social. C'est ce qu'elle a commencé à faire ces dernières années avec notamment des initiatives pour donner le statut de salarié aux travailleurs des plateformes numériques, qui sont des millions de travailleurs sur notre continent. Et c'est une initiative concrètement qui a été portée par un monsieur qui s'appelle Nicolas Schmitt, qui était commissaire européen et qui est notre candidat à nous, groupe socialiste et démocrate, pour prendre la tête de la prochaine Commission européenne. Et je crois que notre groupe, qui est le premier groupe de gauche au Parlement européen, a une responsabilité particulière dans la période, parce que demain, dans une configuration où malheureusement peut-être l'extrême droite aura augmenté son influence, nous aurons, nous, le rôle, nous porterons la responsabilité de faire barrage, et dans les sondages, nous ne sommes qu'à 20 sièges du plus grand groupe du Parlement européen, qui est le groupe PPE. Donc il faut y aller, il faut se mobiliser, et il faut voter en gardant à l'esprit que jamais, jamais, jamais un scrutin européen n'aura été aussi important pour notre avenir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Kevin Versin. Un mot de conclusion. L'Europe est à la croisée des chemins et à l'issue de ces prochaines élections européennes, nous pouvons faire le choix de tout changer, de faire le choix d'une Europe qui soit la voie de la paix et du droit international partout, sans bleu doux standard.
la paix à Kiev, la paix à Gaza, la paix à Erevan, la paix partout. Ça doit être une priorité de la future mandature européenne, parce qu'il ne faut pas rajouter au grand incendie planétaire les feux de la guerre. Le grand incendie planétaire, qui est le plus grand défi de notre humanité commune au cours de ce XXIe siècle, l'Union européenne fait, mais elle ne fait pas assez. Il faut refuser tout ce qui sera le détricotage du pacte vert, et il faut renforcer nos ambitions environnementales afin de respecter l'accord de Paris et aller vers le 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050 au niveau de l'Union européenne. Et bien sûr, quand on parle de la bifurcation écologique, on ne peut pas faire l'impasse sur la bifurcation sociale. Il faut une Europe qui soit protectrice des travailleurs, les travailleurs des plateformes à qui on a obtenu la présomption de salariat, le travail détaché qui organise par contre la concurrence généralisée entre tous les travailleurs. La question plus généralement du refus de l'austérité qui casse les services publics qui sont les principaux garants de l'égalité entre tous les citoyens sur l'ensemble des territoires. Et enfin, une Europe qui agisse pour le mieux-disant en matière de droits humains, une Europe qui inscrit l'IVG dans sa charte des droits fondamentaux, une Europe qui agit pour l'amélioration des conditions de vie de toutes et tous partout en Europe. Merci. Abdoulaye Diarra, votre mot de conclusion. Alors, merci de nous avoir effectivement écoutés et merci d'avoir organisé ce temps d'échange. Effectivement, le 9 juin, ça va être une date un peu fondamentale. Le 9 juin prochain, et bien effectivement, les écologistes, nous, on est convaincus d'un élément très concret. C'est qu'on appelle aux citoyens à voter tout simplement pour des gens qui font ce qu'ils disent. Alors oui, effectivement, nous ne faisons pas partie de la majorité au Parlement européen, mais pour de très bonnes raisons. Non, nous ne sommes pas pour le pacte migratoire. Non, nous n'avons pas voté la PAC. Non, nous ne sommes pas responsables aujourd'hui d'une Europe qui, tout simplement, des fois, fait le choix du libéralisme au détriment de la vie des gens et tout simplement des enjeux climatiques. Et oui, nous sommes minoritaires, mais par contre, notre capacité à changer les choses, elle est très concrète. Effectivement, le pacte climatique, effectivement, on s'est battu et on a réussi à l'arracher. Effectivement, sur la question de la restauration de la nature, on s'est battu, on a réussi à l'arracher. Mais l'enjeu qui est très concret le 9 juin, c'est de se dire, finalement, quelle Europe on veut. Est-ce que notre seule réflexion, c'est finalement de se dire qu'on n'a pas le choix, on doit se replier sur nous-mêmes, ou est-ce que finalement, on veut une Europe qui est en capacité de faire face aux défis de notre temps, qui est capable de faire face aux défis de la transition climatique, qui est capable de faire face aux défis, tout simplement, de la précarité grandissante à travers de l'Europe. Et surtout, une Europe qui est en capacité de se dire, en fait, qu'elle fait le choix d'investir dans les citoyens européens, elle fait le choix d'investir dans le monde. Et je prends ma dernière petite seconde pour vous parler d'un sujet qu'on n'a pas parlé, mais qui me semble fondamental, notamment quand on parle de la question de l'Europe et du monde, c'est la question migratoire. Est-ce que oui ou non, on veut une Europe qui se referme, qui finalement dit que, finalement, les morts au milieu de la Méditerranée, c'est anecdotique? Est-ce que finalement, on veut une Europe qui finalement se replie sur elle-même? Ou est-ce que, effectivement, on veut faire honneur au fondement de l'Union européenne qui consiste tout simplement à dire ensemble on peut écrire un autre récit, on peut transformer le monde positivement et on peut effectivement faire en sorte de changer les choses tant pour les citoyens européens que pour le reste du monde, parce qu'effectivement si on applique les règles qu'on veut se donner ici au niveau européen, on sait derrière que pour atteindre ce marché, en fait on a l'ensemble du monde qui va changer. Donc ensemble, collectivement, le 9 juin, on peut réellement changer les choses. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile de se dire d'aller voter pour une élection qui semble lointaine. Et pour autant, les conséquences vont être très concrètes. Et donc, on a besoin de vos votes. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette audition. Je remercie nos députés européens et candidats qui ont participé à ce temps d'échange, qui ont pris le temps de répondre à toutes ces questions pendant un peu plus de 2 heures, et à toutes les questions qui ont été posées de la part de la société civile. Je laisse la parole à Stéphanie Porretta pour la suite du programme. Merci. Alors, un grand merci à nos intervenants, partenaires et membres pour la qualité des contributions. Donc, avant la conférence débat qui aura lieu à 18h30, ici même en hémicycle, vous pouvez continuer les échanges en hypostyle avec 3 ateliers. Donc, le premier atelier, Mythes et histoires de la construction européenne, une conférence qui est animée par Michel Mangenot et Laurent Varlouzet. Une autre conférence sur quels enjeux pour les élections européennes de 2024, un débat animé par Mouvement européen France. Et enfin, la gestion des fonds européens, c'est une formation animée par le secrétariat général des affaires européennes.
Voilà, c'est en salle hypostyle et nous vous donnons rendez-vous à 18h30 en hémicycle pour la conférence débat sur la France dans l'Europe, quel avenir, quelle priorité, qui aura lieu donc ici même avec Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, et Prisca Thévenot, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci.